Et bonjour à vous! Bienvenue dans Club Yu-Gi-Oh! Cette hors-série d'exception que je vous propose aujourd'hui. Mon compteur de sub bug toujours. Hein, vous êtes actuellement 0 sub à la chaîne. C'est pas grave, on va manger des pâtes et du riz, hein, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, tout simplement parce que je suis accompagné de Ojama Noir. Comment ça va? Ben écoute, ça va super, et toi? Oui, ça va super, on fait semblant qu'on s'est pas vu et tout, mais vous inquiétez pas, ça fait déjà plusieurs heures qu'on est en train de setup parce que ce live va être un live exceptionnel. Déjà, de par sa caractéristique, hein, c'est un hors-série, on va jouer au duel de monstres des dés et Ojama Noir, je sais pas comment je t'appelle. Voilà, tu peux m'appeler Quentin. Tu peux m'appeler Quentin, voilà. Je peux t'appeler Quentin. Tu es spécialiste, si je peux dire ça, du duel des dés. Je pense que oui, vu que je suis le seul à faire ça. je pense que oui. Tu es le numéro 1, parce que tu es le seul, et c'est plutôt impressionnant. Pour vous expliquer, en fait, Quentin qui a décidé de se mettre au duel des dés, donc Dungeon Dice Monster, et en français, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le duel de monstres des dés. Si on tout simplement. Dire comme ça dans l'animé, ils disent le duel de monstres des dés, voilà. Donc. Et toi, t'as décidé de t'y mettre parce qu'il y a un jeu qui est sorti au Japon, si je dis pas de bêtises, ouais, il y a combien de temps? C'était aux alentours des années 2000. Il y en a eu un au Japon et un aux États-Unis. On n'a jamais eu ça en Europe. Hein. Franchement, on n'a pas été très gâtés à ce niveau-là. Et toi, tu t'es dit, le jeu, il existe que au Japon, que aux États-Unis. C'est hyper dur de le trouver. C'est souvent des trucs incomplets. Il va falloir fabriquer des pièces soi-même. Il va falloir imprimer en 3D des figurines. Il va falloir me débrouiller. Mais juste, j'ai envie de découvrir. Et petit à petit, t'as récupéré des morceaux de puzzle pour créer de toutes pièces en fait ce jeu qu'on va présenter ce soir, donc qui est un jeu, pour ceux qui ne l'ont pas compris, issu directement du dessin animé avec Duke Devlin, c'est ça, c'est dans l'animé et le manga, c'est lui le créateur du jeu. Voilà, c'est lui le conseiller. Bon, c'est toi maintenant. Ouais, c'est toi maintenant, Quentin. Ouais, allez. Allez, on s'attribue. Voilà, comme ça. Il faut savoir que. J'en profite parce que t'as la boîte qui est juste ici. Donc, c'est vraiment de base un jeu officiel Konami. Il y a encore l'ancien logo Konami dessus. Hein, comme t'as dit, qui a été distribué de manière relativement limitée au Japon et aux États-Unis. Il n'est jamais sorti chez nous. Et les 7, si vous arrivez à trouver ça sur eBay. Ça se vend, mais une fortune! Beaucoup trop cher, vraiment, beaucoup trop cher. C'est rien qu'une petite figurine et une carte, déjà ça peut aller aux alentours de 200 balles. Hein? Ah oui, mais facile, facile. Hein. Après, ça dépend, les petites figurines un peu nulles, bon, ça va, vous les aurez autour de 50 balles, mais si vous voulez un magicien des ténèbres ou un truc un peu plus populaire, mais là, d'un coup, ça monte d'un cran à chaque fois. Bref, c'est hors de prix, ces trucs-là. Bref, vous avez compris, voilà. C'est hors de prix. C'est compliqué parce que il doit y avoir des bases de données officielles. Il y a un jeu, notamment sur GBA, qui est sorti, Game Boy Advance, à l'époque, que j'avais fait. J'avais adoré. Parce que mine de rien, c'est une, je sais même pas si c'est un arc dans la saison. C'est quelques épisodes. C'est deux chapitres dans le manga, c'est deux épisodes. C'est trois épisodes dans l'animé. Mais je trouve que quand même pour deux épisodes, ça a bien marqué les esprits. Mais ça a vraiment marqué les esprits. Et surtout, tu m'as expliqué un petit peu les règles tout à l'heure. On en a parlé depuis, parce que t'es à Dunkerque depuis midi à peu près. Parce que toi, tu viens de Montpellier. Tout à fait. Donc t'as fait 7 heures de train là, juste pour venir te taper contre voilà, moi. Voilà, c'est ça. On se lève à 3h30 du matin. On va prendre son train à 5h15. Tout va bien. Des cœurs dans le chat quand même pour Quentin qui s'est levé aux aurores, qui a ramené tout son matériel et qui a pris sa patience de m'expliquer le jeu parce que franchement, je sens qu'on va passer une pure soirée et je suis trop content, je suis trop excité de commencer. Je sais même pas par où commencer. Je vais juste vous dire quelque chose dans le chat. Donc il y a Quentin qui s'est déplacé, il a dépassé tout son matériel. Je vous préviens, j'ai fait une scène de malade. C'est-à-dire que avec Quentin, on s'est appelé et j'ai dit écoute Quentin, j'ai vu que t'as sorti une vidéo sur ta chaîne YouTube où tu présentes justement le jeu Dungeon Dice Monster, donc le jeu auquel on va jouer ce soir, et je me suis dit franchement ça me tenterait bien de tester.
mais il y a plein de choses affichées. C'est-à-dire, on va jeter des dés, on va devoir mettre nos compteurs de dés dans une réserve, il faut afficher des cartes, il faut afficher le plateau. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments à afficher et je me suis dit, si je le fais, je le fais bien. Si je le fais, ça tue. Les gens vont kiffer et c'est ce qu'on va essayer de vous proposer ce soir. Je précise quand même que donc Quentin, toi, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Oja Manoir. Tu as aussi une chaîne Twitch. Oui, aussi. Je suis en stream. C'est souvent les dimanches en ce moment. Ouais. Où je m'amuse. Et tu fais quoi? Alors, en stream, je vais proposer du Dungeon Dice Monster. D'accord. Et aussi du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Bah, TCG. Enfin, voilà, le jeu qu'on. D'accord, tu joues aussi à Yu-Gi-Oh! Classique. Voilà, bien sûr. Tu fais compétitif, rétro, fun, c'est quoi ton. Je fais beaucoup de fun. J'ai pas mal de decks. J'aime énormément Yu-Gi-Oh! Depuis ton deck préféré? Très longtemps. Ah, bête cristalline. Oh, bête cristalline! Oh, là, tu fais ça pour draguer mes viewers, alors, à vous. Parce que. Il y a plein de mecs. C'est sorti d'un coup. C'est vrai. Je peux pas le cacher. Dans le chat, ils adorent quand Xari joue bête cristalline. Oh là là, peut-être un jour 1v1 Quentin contre Xari, bête cristalline contre bête cristalline. Tu le bats ou pas, Xari? Bête cristalline, tu le bats ou pas? Ah, oui. C'est annoncé, mon pote! C'est annoncé! Et donc voilà, donc vous pouvez retrouver Quentin sur sa chaîne YouTube, sa chaîne Twitch. Il live de temps en temps le dimanche, c'est ça? Hein, voilà, c'est ça. C'est quoi à peu près tes horaires? T'es plus du matin, midi, soir, après-midi? Ah, c'est plus le soir. On essaie d'éviter le même créneau que Radio Yu-Gi-Oh! Parce que bon. C'est vrai! Ah, parce que voilà quoi. Mais, c'est vrai, on c'est essaie, vrai. On essaie soit de faire un petit peu avant, histoire que ça dépasse pas trop, ou un petit peu après. Voilà, après ça dépend. C'est, pour le moment, c'est un petit peu variable. Ouais. Mais oui, tu kiffes quoi. Voilà, juste on kiffe, on joue. Du coup, je propose aussi du Dungeon Dice Monster. Voilà, du coup, si. Donc, si vous kiffez ce soir, vous pourrez aller checker la chaîne tout simplement de Quentin. Et d'ailleurs, il y a un lien directement si vous tapez !! Oja Manoir, vous arrivez sur sa chaîne. Et il y a même !! Règles. Si les gens arrivent en cours de route, eh bien, ils vont pouvoir aller écouter la vidéo d'explication sur la chaîne de Quentin pour pouvoir prendre les règles en cours. Et franchement, je m'attendais à ce que ce soit hyper compliqué. Mais tout à l'heure, tu m'as expliqué quand même plutôt rapidement. On va faire une première partie, on va découvrir et on va expliquer les subtilités au fur et à mesure. Mais vous allez voir, normalement, c'est assez simple. Attention, je vais vous passer la petite scène. Oh là là, regardez-moi ça! Ça, c'est The Scene. Ça va être une tuerie. Franchement, Zulu, ça déchire. Hein. Clairement. Écoute, on verra, on va jouer et on laissera les gens décider si jamais c'est un bon setup ou pas. Mais sachez qu'on s'est donné du mal et je suis très très content de pouvoir vous proposer ça aujourd'hui. Alors, Quentin, aujourd'hui, tu vas me faire découvrir Dungeon Dice Monster. Je vais essayer de présenter rapidement. Tu dis si je me trompe et ensuite tu me présentes le B.A.B.A. Vas-y. Donc pour moi, Dungeon Dice Monster, c'est une variante de Yu-Gi-Oh! Où on va utiliser des dés pour invoquer des monstres. Des monstres qui sont matérialisés par... C'est lequel celui-là? Le bébé dragon. C'est lui? Non, c'est lui le bébé dragon. Hop là. Qui sont matérialisés par des figurines. Des figurines que vous pouvez voir ici ou alors que vous pouvez voir ici. Wow. Voilà, il fait waouh, wow. Même lui, il en peut plus. Donc pour invoquer des monstres, on va jeter des dés et le but, ça va être de choper des symboles d'invocation identiques. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un symbole d'invocation, il y a marqué un 1. Si je fais un deuxième 1 dans mon lancer de dés, j'ai donc deux symboles identiques, je vais donc pouvoir invoquer mon monstre. On nous a parlé sur Discord ? Non, c'est moi, j'ai halluciné. Non, pas du tout, j'ai pas parlé. Et salut à Soé qui, du coup, va s'occuper de la régie pour afficher les cartes. Merci à toi, copain. Donc, une fois que je fais deux chiffres de la même valeur en symbole d'invocation, je vais pouvoir déployer... Ils font comme ça dans l'anime. Ils prennent le dé, et le dé, il se déplie, et on va pouvoir donc choisir les formes pour pouvoir... faire notre piste en fait. C'est ça. Donc, en gros, tu vas créer ta. Au fur et à mesure que les monstres vont arriver, on va créer un petit chemin vers le petit bonhomme adverse. Le but du jeu, c'est de battre le petit bonhomme adverse, sachant qu'il a 3 points de vie. Du coup, les 3 cœurs qui sont représentés à l'écran. Une fois que les 3 cœurs
il n'y en a plus, eh bien, si Zulu m'enlève mes trois cœurs, eh bien, j'ai perdu. Voilà, alors tout attends, simplement. Que j'ai fait un truc qui permet de d'enlever les cœurs, mais ça marche pas du tout pour toi. Est-ce que tu peux expliquer les règles? Et comme ça, moi, je m'occupe de gérer ma petite, ma petite tambouille et puis je te laisse expliquer. Ok. Donc, du coup, hop, tiens, ça, c'est ta petite carte du Monster Lord, celle qui te représente. Alors, au niveau des règles, ça va être très simple. À chaque tour de jeu, on va choisir des dés. Des dés qui sont... Il y en a des différents. Il y a 4 niveaux de dés. C'est-à-dire qu'on va avoir les dés qui sont au niveau 1. On va avoir des dés de niveau 2, de niveau 3, puis de niveau 4. Et plus le niveau du dé est élevé, plus ça va être compliqué d'invoquer. Par exemple, si je veux invoquer un monstre de niveau 1, qui sont en soi les plus faibles, eh bien, j'aurai sur le dé, par exemple, niveau 1, j'ai 4 faces avec l'étoile, avec le 1. Donc, la probabilité de tomber sur un symbole à vocation est beaucoup plus élevée pour un symbole 1 et beaucoup plus rare pour un symbole 4. Voilà, donc, par c'est définition, c'est, de, c'est beaucoup plus difficile... Voilà, je crois que tu avais fait les stats pour les dés de niveau 4. C'est en lançant 3 dés, c'est 7% de chance de choper 2 symboles. C'est ça. Niveau 4. C'est ça. 7% quand ça arrive. Quand ça arrive, faut rester accroché parce que les monstres de niveau 4, la majorité sont costauds. Bon, il y en a des 2 et des 3 pas mal, hein. Vraiment. Hein. Mais les 4, quand ça tombe, généralement, ça en jette, quoi. D'accord. Donc, comme dans Yu-Gi-Oh, on va choisir des monstres. On va choisir des magies ou pièges et on va pouvoir se taper. On a un deck de 10 cartes. C'est ça. Le but, donc, c'est d'aller enlever les 3 PV. Le premier qui enlève les 3 PV, il gagne. Si jamais on n'a plus de cartes en main, qu'est-ce qui se passe? Alors, si jamais tu as, par exemple, tu as tout déroulé, admettons, tu n'as plus de cartes à utiliser, tu ne peux plus jouer. Si moi, j'ai encore un monstre sur le terrain, en soi, mon monstre, au fur et à mesure, comme toi, tu ne vas plus pouvoir rien faire. Eh ben, je vais pouvoir, entre guillemets, j'ai gagné parce que donc tu pourras plus te défendre face à moi, même si j'ai un monstre qui se déplace très lentement. Au final, je vais réussir à arriver jusqu'à toi. Donc voilà. Après, c'est aussi un petit, y a un peu de gestion de ressources aussi. C'est-à-dire que ce qui est cool, c'est que les monstres qui ont des petites capacités spéciales, des petits effets, c'est cool de par exemple ne pas les mettre dès le premier tour, de pas les spammer parce qu'après, bon, c'est dévoiler toutes ces cartes, c'est pas la meilleure chose à faire, je pense. Ok. C'est ok. Voilà. Eh bien, écoute, je vais juste te demander à mon chat. Je vois des gens qui disent que ça bug, d'autres non. Est-ce que vous buguez sur le chat? Oui ou non? Pendant ce temps-là, ce que je te propose, c'est que on se fasse chacun un deck. Ouais. Je n'ai jamais joué au jeu. Tu m'as expliqué les règles tout à l'heure. Je n'ai jamais joué au jeu. Je vais, comme dans l'animé, essayer de prendre les cartes et en quelques instants essayer de sélectionner des monstres. Qui sans même lire les effets, comme Yugi dans l'animé, je vais essayer de prendre des monstres et essayer de les build. Du coup, tu vas savoir exactement ce que je prends parce que tu connais ton deck par cœur. Oh, ça va, les gens disent que je ne bug pas. Hein. Ben écoute, je te laisse les choisir. Ouais. De prendre ceux qui t'intéressent. Après, moi, je prendrai en fonction de ce que t'as choisi. Sélectionne et après je verrai. En plein. Oh, je suis obligé de prendre... Oh, il y a le dragon de compagnie de Damarfi. Est-ce que je suis pas obligé de le prendre, lui? Allez, hop, je le prends. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Et... Ah oui, il y en a beaucoup des monstres de niveau 4. Il y en a beaucoup des monstres de niveau 4. Et paradoxalement, on en voit... Oh en une partie, on en voit pas beaucoup, quoi. Ok. On laisse les deux boss monsters ultimes dans une prochaine partie? Ouais. On les prend pas tout de suite? Non, on les prend pas, Et tu sais quoi? Regarde. Je vais prendre deux monstres de niveau 4 au hasard. Et hop là. Voilà, j'ai mon deck. Ok. À toi de build ton deck. Donc pour la première partie, on propose de pas prendre de... attends. J'ai les deux monstres ultimes. Non, tu les as... T'inquiète, hop là. T'as même pas fait exprès. 1 et 2. Oh, quoique, je vais peut-être prendre lui. Mmh. Allez, hop. Donc, j'ai 10 cartes dans mon deck. Comment on détermine qui commence? On lance des dés, j'imagine, dans le... Comme, oui, exactement. C'est ça, on va lancer des piquets et puis on commence.
Moi, je sens que ça va être drôle. Drôle. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. T'as mis combien de temps à découvrir le jeu, apprendre à jouer, tout ça Enfin, ça fait combien de temps que tu joues déjà? Ça va faire bien un an que je suis intéressé par ce jeu. Au début, ça devait être juste je voulais me créer un set à moi juste pour jouer, voilà, pour voir ce que ça peut donner en vrai. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé à lire les règles, à vraiment m'intéresser, à les connaître par cœur, et je me suis dit que ça pouvait intéresser les gens. Du coup, depuis ce temps, je fais quelques petites vidéos sur YouTube et je stream le jeu. D'accord. Je vois que ça plaît, mais ouais, ça fait bien un an que je joue et que j'accumule les cartes au fur et à mesure, les bonnes affaires sur le bon coin, voilà, ce genre de choses. Oui, parce que les petites figurines, les achètes, tu les chines, quoi, tu fais des brocantes. C'est ça, c'est exactement ça. Même les premières que j'avais, je les avais déjà chez moi en une brocante. Je les avais déjà récupérées, j'étais plutôt content. Puis après, au fur et à mesure, j'ai fait des échanges aussi, j'ai fait pas mal de. Voilà, et j'en ai même imprimé en 3D. Voilà. Exactement. Et tu les as peints toi-même et tout, quoi. Tout à fait. Oh, il y a Orgoth, l'impitoyable. Ça, c'est la carte du dessin animé. Oh, j'aurais trop dû la prendre. Il est fort ou pas? Orgoth? Ouais. Oh, il est pour un niveau. Franchement, il est OK. C'est-à-dire qu'il a une capacité qui lui permet d'augmenter son attaque. Franchement, il est pas dégueu. Il peut arriver à une grosse attaque bien satisfaisante, on va dire. Bon, Quentin. Moi, je suis prêt, je t'attends, et franchement... Elle est incroyable, celle-là. Elle est... Oh là 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 là. Ah ouais, celle-là, c'est la meilleure. Ça y est, je suis dans le dessin animé, quoi. Je suis dans le dessin animé. Qui franchement, a hypé aujourd'hui? Dites-moi dans le chat. Qui... Oh, regarde. Regarde, il y a le magicien des ténèbres sur les chiottes. Ouais. Il lâche un joli bronze, quoi, genre c'est... Ouais, clairement, il fait ça, hein. Il est incroyable. Aïe. Il m'en manque deux. Bon, je présume qu'on prend pas tout de suite les figurines, quoi. On laisse le suspense. Non, voilà, on laisse le suspense. Bon, j'ai vraiment pick mon tout premier deck. Hop. Mais fast, hein, vous avez vu, j'ai même pas lu les cartes. J'ai fait comme Yugi, parce que dans le dessin animé, Yugi il arrive contre Duke Devlin. Et il sait pas jouer. Et il sait pas jouer. Il fait ok, je vais prendre ça. Je vais prendre ça, et puis c'est tout le but du dessin animé. Quentin, tu es prêt? Tout à fait. Tu possèdes 10 cartes? Tout à fait. Oh là 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 là! Là, ça y est. Écoute, là. Bonne chance à toi. Bah, à toi aussi. Qui commence, du coup? Eh ben, écoute, je te propose de... Bon, on va lancer un dé 6. Un dé, vas-y. Allez, hop, on lance un petit dé. Ah. Deux. On va voir. 6. Et c'est un 5! Ah ouais, c'est un 5, ouais. Et ça me fait déjà gagner! Écoute... Je vais commencer, je vais prendre des dés d'armorie. Alors, niveau 4. Alors là, on a les dés officiels, mais les dés officiels, ils ont pas de code couleur. C'est-à-dire que là, je vais mélanger et je vais aller invoquer mon premier monstre. Oh. Et je fais... Alors là, tu as une invocation d'un monstre de niveau 2, ouais. Vu que tu as deux symboles invocation les mêmes. Ouais. Et après, tu as deux compteurs déplacement. Ouais. Alors attends, parce que je viens de m'apercevoir d'un truc... C'est que ma caméra, vu que j'ai reboot mon PC, elle est mal réglée, il faut le refaire à chaque fois. C'est pas grave, regardez, c'est... J'en profite aussi du coup, Zul, pendant que t'es en train de régler ton truc de caméra. Ouais. Sur la caméra de Quentin, t'as en bas des petits symboles. Ah oui. C'est visible du coup sur le stream. Oh, bien vu, je vais le modifier. En bas à gauche. Merci à toi. Merci à toi, mon ami. Alors, c'est la mise au point qu'on va régler. Hop là. En fait, juste avant le live, j'ai voulu modifier les trucs. Et ça, c'est vraiment la mauvaise idée. C'est vraiment la mauvaise idée. Et donc, il y a des petits symboles sur Quentin. Et ils sont... Les petits symboles sur Quentin, ils sont... Là. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc, j'ai fait... Oh, j'ai fait deux symboles de niveau 2. Je vais pouvoir invoquer une carte de niveau 2. Tout à fait. Alors, je vais enlever les niveaux 3, niveau 2. Wow, je vais faire ça directement. Ok. Je vais jouer. Alors, donc je choisis d'abord. Alors, tu choisis celle que tu veux. Et il faut qu'elle soit adjacente, en fait, à notre cher petit Yuki. Oh, le chat, je joue contre un professionnel. Comment je fais?
C'est quel est... Ouais, vas-y, je vais commencer par un T. Et du coup, je vais jouer la seule et l'unique, la magicienne des ténèbres. Et hop là. Petite magicienne. Oh là là, regardez, c'est ma magicienne des ténèbres. Elle est là. Et donc, la magicienne des ténèbres, elle est niveau 2. Ténèbres, ouais. C'est-à-dire qu'elle est magicien, c'était ça. Voilà, les ténèbres, c'est les fait, magiciens. En fait, le type ténèbres, ça regroupe à peu près tout ce qui est démons. Si on relie un peu avec le jeu de cartes Yu-Gi-Oh, ça regroupe un peu les démons, les magiciens. Voilà, c'est ça. Et elle, elle a une capacité. Mm-hmm. Pour 2, j'ajoute un compteur magie à ma réserve de compteur. Pour 2 quoi ? Alors, pour 2, si c'est pas précisé, ça veut dire que tu payes 2 de ce que tu veux. Là, par exemple, tu vois, t'as eu un lancer avec 2 déplacements. D'accord. Du coup, si tu as envie. Donc là, je rajoute 2 déplacements, voilà, dans ma réserve. Exactement. Donc là, si tu veux utiliser la capacité de ta magicienne, tu t'enlèverais 2 de déplacements pour te rajouter 1 en magie. En fait, c'est un monstre qui va te permettre de convertir tes petits. Enfin, ta réserve de compteur en magie. C'est-à-dire que si c'est un moment où t'as besoin de magie, bah, la magicienne, elle est là pour ça. Ok. Donc là, je l'ai invoqué. Est-ce que quand je l'ai invoqué, je peux la déplacer et l'attaquer ? Alors, juste avant, on lance. Par tour, on va lancer 2 fois les dés. Oh, je peux relancer. Du coup, là, tu relances, mais il ne pourra plus invoquer. Comme tu as déjà fait ton invocation du tour. D'accord. Voilà, du coup, là, tu as attaque x 2. J'ai attaque x 2. Voilà. Donc, je monte 2 mes compteurs d'attaque. Et les invocations, je peux rien en faire. Tu peux rien en faire. Eh bien, écoute, c'est à toi de jouer. Là, à partir de là, si tu as envie, tu peux déplacer ta magicienne. Voilà, c'est juste, tu fais tes 2 lancers. Voilà, non, écoute. Si tu as envie de la déplacer. Non, voilà, non, je sais. Allez, viens, c'est à toi, Quentin. Allez, on va partir sur des dés de niveau 1. Regardez, il se sent déjà inférieur à moi, il joue des dés de niveau 1. Alors que j'ai déjà mon de niveau 2 sur le terrain. C'est ça, mais on va voir ce qui va se passer. Ah, du coup, j'ai une invocation de niveau 1. Ouais. Et un compteur de déplacement. D'accord, ajoute ton compteur de déplacement. Regardez, c'est la magie. Hein. La technologie de la Hyper Zulu Production ici. C'est beau. Franchement, c'est la magie. Hein. Y a rien à dire. Donc là, tu vas pouvoir invoquer un monstre de niveau 1. Et là, j'ai invoqué un monstre qui va te faire plaisir. Non. Non, qu'est-ce qu'il invoque ? Kuribo ! Mais il est nul à chier, Kuribo, non ? Non. C'est il vrai ? Il a un petit intérêt. Si tu veux lire la carte, je Eh bien, écoute, elle s'affiche à l'écran. Pour 6, échangez la position de ce monstre avec celle d'un autre de vos monstres. En gros, il TP. Oh, c'est trop fort ! Il va avancer son Kuribo, il va invoquer son monstre niveau 4, et il va faire transposition. Par exemple, ouais. Ou alors, j'ai déjà testé toute sa stratégie. C'est ça, ou alors, admettons, il y a un monstre qui est par là et tout, je sais que tu vas me le détruire au prochain tour. Bah tiens, je te donne Kuribo à la place. Je peux échanger comme ça aussi dans ce sens-là, tu vois. Admettons, j'ai un monstre trop fort ici, mais je sais que tu vas me le manger. Ouais. Bah tiens, hop, à la place, t'auras Kuribo. Il a quoi en stats, Kuribo ? Alors, le petit Kuribo, il a 10 points de vie, 10 d'attaque et 10 de défense. C'est pas ouf, mais il est pas là pour ça. Nul à chier. Dans mon jargon, on dit nul à chier. Écoute, mon cher Quentin, je vais prendre. Ah, d'ailleurs, je peux prendre des dés de n'importe quel. Je peux les mélanger ? Tu peux complètement les mélanger. Complètement. Mais faut faire attention à ce que tu veux. Oh là là. Écoute, Quentin, vas-y. Je me saisis de mes dés. Et c'est raté. Oh. Alors, j'ai une nouvelle invocation de niveau 2 et une armorerie de magie. Enfin, on dit pas une armorerie. Oh, c'est réserve de compteur. Eh ben écoute, voilà. Je vais donc... Oh là 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 là. Mais je vais te laminer. Vas-y. Franchement, ça va pas te... Tu vas pas être choqué un peu ? Non. D'accord. Oh. Écoute, je vais jouer le chevalier flamboyant, tout simplement. Le chevalier flamboyant, il va aller flank comme ça. Il va directement les prendre un côté. Et wow, il est magnifique. Regardez-moi le chevalier flamboyant qui se cache derrière son épée, hein, apparemment. Bam, qui arrive sur la petite étoile. Tac, et ça, c'est magnifique. Chevalier flamboyant, il a pas de capacité. Il sert qu'à taper. 20 PV, 30 d'attaque. Ah ouais. En fait, c'est le 30 d'attaque qui est pas mal. Parce que, ah ouais, il rigole zéro. Ouais, il peut se faire des niveaux 3. S'il n'y a pas de défense derrière, il peut se faire des niveaux 3. Quoi. Ah oui, et je dois faire 2 lancers. Attends, t'as eu x2 magie, du coup. x2 Ouais, voilà, t'as mis. x2 magie, et directement. Oh. Oh. Voilà, en magie, tu vas être content. 1, 2, 3, 4. Et 2 d'invocation. Bah... Oh là 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 là. Les gars, est-ce que c'est pas déjà un hommage, quoi? Ah mais attends, Quentin, toi, t'as lancé qu'une fois ou deux? J'avais lancé...
Ah, je vais lancer qu'une fois, tiens. Bah, bah vas-y, relance. Bad. Non, non, mais relance. Ah, bon, allez. Hein. Relance, c'est cadeau. Hop. Bon, bah, x2 défense. x2 défense. Hop. Et oh là là, là. Oh là là. Franchement, la technologie. Et est-ce qu'on n'est pas dans l'atelier de Duke Devlin ici, quoi? Ah, mais ça. Et le chat, notez le setup sur 10. Franchement, je me suis donné. Mais alors, je me suis donné. J'ai même eu une dernière idée de dernière minute qui m'a fait transpirer. C'est pour ça qu'on est en retard, parce que j'ai changé un truc. Il y a une autre scène. Il y a une autre scène, je vous la dévoile pas tout de suite, qui va nous servir pour une phase spécifique du jeu. Et ça va arriver. Et franchement, vos retours, ils me font vraiment chaud au cœur. Écoute, j'ai une magicienne des ténèbres. J'ai un chevalier flamboyant. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien du tout. Ah ben là... Là, on se demande ce qui va arriver. Eh bien, c'est à toi. Est-ce que tu aurais les dés de niveau 2? Ici. Ah, les dés de niveau 2. Je les ai pas vus. Alors? Oh, alors, je n'ai pas d'invocation parce qu'il n'y a eu qu'un seul symbole. Tu rates ah, déjà tes dés. Ouais, tu... Donc, hop. Tu mets tes symboles. Voilà, donc là, j'ai x2 en déplacement et x2 en attaque. Hop, et on va relancer. Donc, pour l'instant, on n'a pas pris d'objets. Hein. Ouais. Oh, y a pas d'invocation. Oh, mais c'est dommage, ça. Ah bah là... C'est dommage, ça, Quentin. Tu vas voir après. Ouais, c'est ce qu'on dit. Après, il va se passer des petites choses. Ça va être sympa. Ouais, okay. Là, en plus, t'es presque jusqu'à moi. Ouais, non, mais c'est en bon. Soi. Ah ouais, non, mais je... Là, ça va piquer, hein. C'est sûr que là, mon petit Kuribo, il va pas faire long feu. Oh, mince. Là, je viens de comprendre mes erreurs. J'ai pris le dragon de compagnie d'Amarpi, j'ai pas pris d'Amarpi. Ah, mais il a un autre effet qui est intéressant. Oh oui! Oh, il est trop fort! Il est trop fort! Écoute, je vais. J'ai pas pris des monstres de niveau 1. Ah, si, j'ai pris ça. Non, mais. En fait, j'ai envie de faire des trucs, ouais. Mais ça va te faire trop mal. Vas-y, fais-les. Non, mais franchement, ça va. Vas-y. Non mais franchement franchement tu peux y aller. Franchement vas-y lance-toi. Ok, j'y vais. Eh bien écoute, je vais prendre des dés de niveau 1. Oui, c'est eux. C'est eux. Attends, je fais la pose de Duke Devlin. Quentin, je lance donc mes dés de niveau 1. Allez, c'est raté encore, putain. Oh, même pas une invocation. Oh, même pas une... Non, mais c'est j'avais... Tu sais que t'as à peu près 50% de chance d'en avoir au moins deux. Mais c'est pas grave, j'avais besoin de la vitesse et de la défense, donc aucun problème. Maintenant, par contre, je vais invoquer directement. Ah bah là, t'as, oh rien, non. Du tout. T'as rien du tout. Non. Alors, t'as x2 en défense et un déplacement. Ah, c'est un changement de programme, quand même. Allez. Bon, bah, voilà. Voilà, bon. Voilà. Tu déplaces toujours pas tes petites figurines, non? Tu attends. Attends, j'ai combien de mouvements? 4. Alors, t'as 4 de mouvements, ouais. Attends, et par exemple, si je veux déplacer mon chevalet flamboyant, combien je sais. Comment je sais combien de mouvements il faut pour que je le déplace? Bah alors, c'est tout simple. Un compteur, c'est égal à une case. C'est-à-dire que. Pour tous les monstres? Pour tous les monstres, sauf certains qui ont une capacité qui s'appelle vol. Et eux, en fait, je vais en parler maintenant des monstres vols parce que ça va pas tarder à arriver. Donc au moins... Oh, au moins, voilà, je vais le dire. Les monstres qui ont vol, c'est des monstres qui ne peuvent pas être attaqués autre que par des monstres vols. Ok. Donc, seul un oiseau peut tuer un oiseau. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Donc les monstres vols, du coup, pour en revenir au déplacement, pour se déplacer d'une case, ce sera deux. Il faudra payer deux compteurs de déplacement. C'est-à-dire qu'ils sont durs à attaquer, mais en soi, ils sont super lents. Ok, écoute, je vais déplacer de 2, 1, 2, mon voilà. Chevalier flamboyant directement. Ah, mais regardez, je contrôle déjà le terrain. Cette cam, elle est combien là? Elle est comment là, celle-là? Elle est pas mal. Elle est pas mal. Eh, je suis désolé, je flex, mais je suis trop content. Je suis vraiment trop content, on va pas se le cacher. C'est à toi, Quentin. Allez hop. Tu jettes des dés 2? Des dés de niveau 2. Oh! Cette fois-ci, j'espère faire une petite invocation quand même, ça me ferait vache. Voilà! Oh, une invocation niveau 2 et t'as 2 d'attaque. Ouais, 2 d'attaque. Hop. Hop. Je commence à avoir pas mal d'attaques là. Toi, niveau magie, t'es pas mal. Hein. Toi, niveau magie, t'es pas mal. Ça va. Ça, ouais, ça écoute, choses, hein. C'est vrai. Et je mets le Kaiser Insolent. Oh, Kaiser Insolent! Qui est directement joué. Voilà, il n'a pas des. C'est comme le chevalier flamboyant, mais en moins fort. Joue juste ta carte comme ça, Soi, puis il peut la repérer, voilà. Le Kaiser Insolent que vous voyez, c'est un bête de niveau 2,
20 PV seulement ? Oui. 20 d'attaque et 10 de défense. D'accord, ok. Eh bien, écoute, si t'as envie que je le zigouille, il n'y a pas de problème, quoi. Bah, attends, t'inquiète. Alors, on va le si mettre... Si je t'attaque... Oui ? Si je t'attaque, est-ce que tu me contre-attaques ? Ou est-ce que tu fais que défendre ? Si tu m'attaques, je peux que défendre. D'accord. Voilà, je peux que défendre. Alors ici... Je ne t'arrive pas, j'y arrive pas. Ouh là là ! Mais tu sais quoi, on va faire un petit truc, on va essayer de le mettre, tu vois. D'accord, voilà, ok. On va essayer de le placer là. Je vois que tu essaies de te défendre, mon ami. Voilà. Hop, du petit Kaiser, il est là. On va le mettre sur la petite étoile. Hop, il est là, il te regarde. C'est tout ? T'as jeté deux fois ? Hop. Est-ce que t'as jeté deux fois ? Non, là, faut que je relance un petit coup. Ah, fois deux déplacements. Ok. Hop, on passe à 7. Fois 2 déplacements et c'est tout quoi. T'as 7 de déplacement ? Ouais. Là, c'est-à-dire qu'avec un monstre, tu peux vraiment... Ah, je peux cavaler. Ok. Je crois que je vais relancer un monstre de niveau 2. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Wow. Eh oui, on a pas beaucoup de monstres. Hein. Franchement, ça va vite. Hein. Ah, bah oui. On va peut-être tenter les niveaux 4. Oh wow. Ok, je vais lancer mes dés de niveau 2. Encore ? Oui. Oh, bah tu n'as pas d'invocation, mais tu as 2 magies et 2 déplacements. 2 magies, 2 déplacements, c'est exactement ce que je voulais. Donc, je rappelle qu'il faut avoir 2 symboles d'invocation sur le même lancer de dés. Hein. Exactement, là... ouais. Et... Ce sera pas d'invocation ce tour pour toi. Aïe aïe aïe, c'est pas grave. Je me mets très très bien. Je me mets très très bien. C'est à toi. Mm-hmm. Bah écoute, c'est quoi ? On va tenter les niveaux 4. Les niveaux 4, il y a 7% de chance. 7 ? Que j'en aligne 2. 7%. Ah ouais, t'es chaud quand même. Ouais, on va les tenter. T'es archi chaud. Allez. Ah non, j'en ai eu un, mais pas deux. Ok. Et donc alors, là, t'as un magie et un d'attaque. Voilà. Hop. Est-ce que tu peux changer de dé après ton premier lancer ? Ou tu dois relancer les mêmes ? Je dois relancer les mêmes, forcément. D'accord. Attention. Attends, 7% de chance ? Ouais, 7%. Ah ! Rien du tout. Ok. Alors, j'ai eu 2 pièges et 2 déplacements. Ah, déplacement, je suis à 9. Ça va... Allez, à toi. Ok, je vais lancer donc des dés de niveau 1. Oh là là. Et je vais... Une invocation. Oh, je vais gagner 2 de défense. Ouais. Et je vais faire une invocation de niveau 1. Je vais donc invoquer... Comme ceci. Et je vais invoquer... J'ai très peur. Le seul et l'unique. Le renoncé. Et là, c'est un move de deuxième année que je viens de lui faire, simplement parce que le renoncer a une capacité. Je peux dépenser 10 de mes compteurs magie, sacrifier ce monstre, puis prenez le contrôle d'un monstre adverse de manière permanente. À chaque fois attends, que... Attends, ah, je le place où il a été ? Ah non ! Eh oui ! Ah oui, attends, je pensais que je prenais ton... Ah oui, attends, ça change tout ! Eh oui, c'est-à-dire que là, par exemple, tu veux Kuribo, t'enlèves 10, et Kuribo, en fait, il vient à la place du renoncer. Ah oui, je pensais que je prenais le contrôle de ton monstre et je te zigouillais, ça me paraissait un peu fort ! Ah non. Eh non. Ah ouais, ça me paraissait un peu fort. Oh, j'aurais tellement dû garder ça pour ton gros monstre. Tant pis, c'est une erreur de débutant. C'est pas grave. Et donc, je perds mon renoncé et je prends ton Kaiser. Bien. C'est une très très mauvaise gestion de ressources hein, ici pour moi. Mais c'est une erreur de débutant, c'est le jeu. Comme Yugi, bah, je fais des erreurs. Adieu. On fait quoi de ma carte là ? Alors, la carte, tu vas la mettre face cachée à côté. D'accord. Là, à côté. Et je mets le renoncé dessus. Oui, voilà. Comme ça, au moins, on sait qu'il est joué. D'accord. Ok. Ouais. Eh bien, parfait. Ah, le renoncer, c'est un peu ma bête noire. À chaque fois que je joue à Dungeon Dice, c'est quand en face, on me sort le renoncer, généralement, ça se passe mal. Mais il doit être dans la ban list, lui. Il est trop fort, quoi. Oh, en vrai, je pense attends, qu'il y en a d'autres. Je suis obligé de le faire de suite ? Non, pas du tout. Oh, bah vas-y, attends, garde ton truc. Ah oui. Il me semble pas. Il n'y a pas marqué lorsque ce monstre est invoqué. Non, sacrifier ce voilà. Monstre. Bah du coup, t'es pas obligé de le faire de suite. Ah, du coup, il aura tellement pas envie de faire. Du coup, tiens, garde ton Kaiser insolent, là. Là,
Là, t'as plus envie d'invoquer le grand monstre. Non, là, j'ai plus trop envie, là. Oh là là. Après, le problème, c'est qu'on est stacké à 10 dans les armories. Enfin, dans les ouais, compteurs. On peut pas dépasser 10, ouais. Quand on stack les compteurs, là, c'est 10 maximum. C'est pas... Je vais le faire, quand même. Franchement, je vais le faire tu quand même. Tu vas vraiment le faire ? Ouais, comme ça, je vais dépenser mes armories, puis... Enfin, mes compteurs, excusez-moi. Hop là. Hop. Ok. Ouais, ça peut être une stratégie en soi. Maintenant, t'as un plus gros monstre. Ouais. Tu vas pouvoir restack des magies derrière. J'aurais pas dû le jouer maintenant. Je pensais vraiment. Enfin, j'avais pas lu la carte. Mais c'est la vie. C'est le jeu. C'est bon. À toi. Ok, bah écoute, je vais prendre les dés de niveau 1. J'ai lancé deux fois, moi, on est d'accord. Ouais. Oui, il me semble. Putain, t'as 9 de déplacement là. Ah, une triple invocation. Oh, qu'est-ce que ça fait une triple invocation? Alors, une triple invocation, c'est quand j'ai 3 fois le même symbole. Ouais. Quand j'ai 3 fois le même symbole, en fait, je peux pouvoir invoquer soit un monstre de niveau 1. D'accord. Coup, soit un monstre avec au supérieur, c'est-à-dire de 1. Donc là, je peux invoquer soit un monstre de niveau 1, soit un monstre de niveau 2. Ah ouais, il me fait des moves de deuxième année aussi, lui. Du coup, je vais... Bon, on va mettre un petit... Allez, on va mettre un petit lutin sauvage. Oh, lutin sauvage, ici! Un petit lutin sauvage. Et puis, on va aller se mettre... On va aller se mettre là. Donc là, j'y suis pas encore. Hop, le petit lutin sauvage, il est là. Ah oui, il manque une case, quoi. Oh là là, il manque une case! Il manque une case. Je vais relancer, du coup. Ouais. Bon. Bon, mais... T'as fait quoi? Bah, j'ai refait une triple invocation, ah ouais. Mais c'est qu'une fois par tour, donc... Le lutin, il est niveau 1. Non, il est niveau 2. Comme j'ai fait une triple invocation, oui. J'ai pu mettre un niveau 2. Hop là. Wow. Allez, vas-y, je vais faire un 4. Moi. Oh là là, je vais faire un... Oh! Attends, quoi que un 3, parce que si je fais un double... Tu veux un 3? C'est les 3. Tiens. Ok. Je vais le réussir, mon move, un jour, tu crois ou pas? Moi, j'y crois. Yes! Oh, oh! Alors, c'est bien, mais le lancer... Bon. Ouais. Ouf. Oh, déplacement. Attends, tout à l'heure, j'ai monté... Zul, tu t'es pas trompé, là? Ouais. Alors, tout à l'heure, j'avais 3 d'attaque. 1, 2, 3. Et là, j'ai gagné... 2 déplacements. 2 déplacements. Eh bien, c'est à toi. Ah là là, regarde! On se regarde en chien de faïence, là, c'est... C'est ça, alors... Ah là 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 là. Alors, oh là là. Qu'est-ce qui va se passer? Là, quand je regarde ma main... Un triple niveau 4, c'est inutile. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de monstre niveau 5, donc... Putain, j'ai turbo invoqué, là. Et j'ai si vous voulez la proba, c'est 0,4% de chance d'en mettre 3... Pour avoir 3 fois ce niveau 4 quand on fait un lancer, c'est 0,4% de chance, donc... Ouais, bon, c'est... faut être chaud, quoi. Ouais, faut être chaud. Ça, pas grand-chose, mais faut être chaud. Bah écoute, on va mettre des petits... On va mettre un petit monstre... Allez, un petit monstre niveau 1. Tiens. Un monstre de niveau 1. On va prendre les petits dés de niveau 1. Ouais, vas-y. Ici. Alors, il y en a un qui est passé. Bon, j'ai déjà une invocation. Ah, bah j'ai une triple invocation. Encore ? Eh, ouais. Combien de pourcents de chance de faire une triple invocation ? Alors, il me semble que les dés de niveau 1, c'est aux alentours des... aux alentours des 27%. Peut-être que je dis une bêtise, mais de tête, il me semble que c'est à peu près 27%. Pour les dés de niveau 1. Donc là, je mets le petit dragon à 2 têtes. Ouais. Qui est ici. Hop. Du coup, c'est le premier monstre originel de DDM qui rentre en jeu. De DDM qui a été créé, en fait, spécifiquement pour le jeu. D'accord. Voilà. Du coup, ah oui, il n'existe pas dans le jeu classique. Voilà, lui, il n'existe pas dans le jeu Yu-Gi-Oh! Alors, c'est parce que il s'appelle... King Rex. Alors, ça, en fait, la carte que j'ai utilisée, c'est un artwork que j'ai dû modifier parce en fait, ce petit monstre, comme ils n'ont pas été édités dans le jeu de cartes, j'ai pas pu vraiment trouver d'image de bonne qualité. D'accord. Donc, celui qui me faisait penser le plus, c'était le King Rex. Mais du coup, je l'ai altéré, je l'ai rendu vert. Ok. On se débrouille comme on peut pour essayer de faire des. Oh, il veut se battre! Il veut se battre! Voilà. Alors, on voit qu'elle a une capacité tunnel. Invincible!
Alors. Non, mais non. Tu dis pas tout, toi aussi. Alors, en fait, invincible, c'est l'équivalent à zombie, si tu veux. C'est un type. D'accord. Voilà, c'est juste le type zombie. Invincible, c'est dans la traduction le type d'origine, mais c'est équivalent à zombie. D'accord. Voilà. Du coup, il a une petite capacité qui dit que lorsque ce monstre est invoqué, ajoutez un compteur de votre choix à votre réserve. Du coup, là, je vais regarder ma réserve. Et je vais rajouter. Allez, un compteur de magie. Ah, j'aurais tellement dû avancer mon renoncer, là. Voilà. Bah, écoute, on va. T'as lancé combien de fois ? Ah, tiens, c'était que mon premier. Ah, bah, de toute façon, rien du tout. Rien du tout. Ok. Rien du tout, rien du tout. Alors, est-ce que je fais un move ? T'as combien de déplacements ? La 6. Il compte mes déplacements et tout. Tout à fait. Eh bien, écoute, je vais retirer 3 compteurs de déplacement. 1, 2, 3. Et je vais reculer de 3 cases. Un, oh, tu te défends. Mais regardez. Regardez la peur. Elle est en face de moi. Eh bien, c'est à moi. Tout à fait. Je vais prendre des dés de niveau 3. Sachant que mon dragon a 2 têtes, a tunnel. Donc, tunnel, c'est-à-dire que tu peux passer à travers tes unités. C'est ça. C'est, non, à travers tes unités. C'est-à-dire que de base, on peut traverser ses propres monstres quand on est dans le donjon, mais les monstres qui ont tunnel peuvent passer à travers les monstres adverses. D'accord. Ok. Eh bien, c'est parti pour... Oh, il a peur. Ouais, regardez comment il a peur. Là, t'as peur de mon invocation niveau 3, un là peu, ouais. Parce c'est que vrai. Je sais un petit peu ce que t'as pris. Oh. Ok, ok. Hop là. Hop là. Et... Hop là. Et du coup, moi j'attends ton. Oh, j'ai 10 de déplacement. Oh, si, je vais aller zigouiller. Aller zigouiller. Ouais, ouais. Vas-y. 1, 2, 3. Oh, attends. Regardez la position qu'il a pris. Regardez la position qui... pour que tes deux monstres puissent me taper. Tout à fait. Je peux attaquer plusieurs fois avec mon monstre ? Non, qu'une fois sur un seul monstre. Ah ouais. T'es vilain, toi. Regardez, il a toutes les compétences. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'on attaque ? Est-ce qu'on défend ? Est-ce qu'on bouge mon Kaiser ? Oh, il y avait des trucs là. Utilise le renoncer maintenant. Mais je l'ai déjà fait, mon pote. C'est trop tard. Oui, je l'ai mal joué. Après, c'est ma première game, c'est tout. Écoute, je vais. Ils ont combien tes monstres là, le lutin il a ? Alors le lutin il a 10 PV et 20 de défense. Et. Le dragon à deux têtes il a 20 PV et 10 de défense. Donc en fait, comme t'as une attaque de 30, peu importe lequel tu tapes, il explose. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là on va rentrer en duel et je vais taper avec mon chevalier flamboyant. Je vais taper. Ton dragon à deux têtes et c'est l'heure de la fight. Et voilà, ça y est. Donc du coup, vous pouvez voir le combat, c'est-à-dire que le chevalier flamboyant... C'est l'inverse, ouais. Est-ce que t'as dépensé ton compteur d'attaque pour attaquer ? Non, je vais le faire maintenant. Yes. Oula. Ok, je perds un compteur d'attaque et j'ai perdu 1, 2, 3, 4 et 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, comme il a 30 d'attaque... Moi, j'ai 10 de défense et 20 PV. Donc, ça veut dire que même si je voulais utiliser ma défense en enlevant un compteur, qui ferait que ça pourrait me protéger de 10, dans tous les cas, tu m'infligerais quand même 20 derrière. Et comme j'ai que 20 PV, ça sert à rien que je défende. Voilà. Regardez cette petite scène que j'ai bricolée juste avant le live. 10 minutes avant le live, c'est pour ça qu'on était en retard. J'ai pensé à cette scène un peu trop tard. Et... Ah, franchement. Et... Franchement, regarde. On est bien. Franchement. Eh bien, du coup, voilà, mon petit chevalier flamboyant est venu à bout de ton ton monstre invincible, apparemment. Voilà, hein, c'est ça. Apparemment. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. Merci. On va voir. Impressionné, ouais, peut-être. Oui. Ils sont obligés de dire oui, trop mignon. Alors, ah tiens, lui, il va être intéressant, lui. Je sais qu'il va être intéressant. On va lancer des dés de niveau 2. Oh. Donc là, je suis en territoire ennemi, hein. Tout à fait. Alors, 2 d'attaque et 2 de déplacement. Ah ouais, c'est x2 en fait. Ouais, les dés de niveau 2, ils ont beaucoup de x2. Ils ont x2 déplacement, x2 attaque et x2 magie.
Bon, de toute façon, j'avais pas d'invocation. Ok, donc là, je... 4 d'attaque. Ouf. Ça, c'est mauvais. Bon, attaque, je suis au maximum. Ok. Et magie, je gagne 2. Ça, ça m'intéresse, la magie. Bon, t'es plutôt pas... Oh. Ah, super. Super, j'adore. Ton téléphone qui se met à, ouais, à vivre, tout simplement. C'est ça. D'un je coup. Sais pas, je sais pas pourquoi. C'est rien, t'inquiète. Il a envie. T'inquiète pas. Donc là, on voit que t'as beaucoup de compteurs. Ouais, j'ai beaucoup de compteurs, mais là, il m'aurait fallu une petite, un petit peu plus. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais avancer de. Alors attends, j'ai combien de compteurs à déplacement ? Bon, ça va le faire. Je vais déplacer de 3. J'ai enlevé 3 compteurs déplacement. Et je vais aller au corps à corps avec le chevalier flamboyant. Ouais. Voilà. Je vais déclarer une attaque avec Kuribo. Il y a 10 attaques. Je vais t'éclater en fait. Alors attends, hop. Je vais m'enlever un peu de temps. Avec Kuribo, tu veux attaquer mon chevalier flamboyant ? Voilà. Eh bien, je crois que je vais juste le soulever en fait, mon pote. Bah, tu peux. T'as de la défense ? Attends, on va regarder. Ah oui, t'as de la défense. Je possède 20 de défense, mais tu vas rien me faire. Attends, bah, j'essaie de me faire consommer, mais. Parce que là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux décider de prendre l'attaque. Ouais. Alors, tu peux décider de soit tu prends l'attaque, du coup, là, il te restera que 10 PV sur ton chevalier flamboyant. Ouais. Soit tu encaisses en utilisant un compteur de défense. Regarde, j'en ai 5, mon pote, j'en ai plus que 4. Kling, c'est défendu ici. Voilà, c'est défendu, du coup, il se passe rien. Même si t'as une défense plus grande que la mienne, c'est pas comme dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh, mon monstre ne bouge pas. D'accord. Et ensuite, je vais attaquer avec le lutin sauvage qui a 10 d'attaque aussi. Du coup, eh bien, c'est défendu, mon pote. Je peux défendre plusieurs fois dans le même tour. Oui, une fois par combat. Ok. Une fois par combat. Et ensuite, j'ai combien de déplacements ? Bon, on va rester comme ça. À toi. Oh, je vais prendre des dés de niveau 2 directement. Alors, ils sont où ? Ils sont là. Non, ils sont au niveau 4. Tiens, les niveaux 2, ils sont là. Ok, merci. La machine qui est tombée. Oh, pardon. Ah, hop là, les dés de là. Niveau 2. Putain, mais regardez là, le fight là, c'est. il se passe un truc. Bon, par contre, il combat à genoux, hein. C'est un vrai bro quand même. Hein. Ouais, clairement. Il a pas le temps. Allez, attention. Et non. Alors, je gagne. Alors, 2 magies, 2 attaques. 2 magies et 2 attaques. Allez, 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 une petite invoque, allez. Yes. 2 d'attaque. Ouais. Et là, tu es pas bien, mon pote. Ah non, là, je suis pas donc bien. Donc là, je suis maxi en attaque. Et je vais donc faire une invocation. Ah, je pense qu'il est temps. Hein. Je me demande lequel tu vas me sortir, franchement. Je vais juste en terminer avec toi. Je vais jouer le chevalier aux deux épées. Alors, le chevalier aux deux épées qui va venir en plus se placer. Alors, attends. Parce que là... Si je me débrouille bien, il y a peut-être un truc à faire. Attends. Je réfléchis parce qu'il faut... Ah, je pense. Déjà. Oh. Oh. Attends, je réfléchis. Soit je fais ça. Soit je fais... Oh, c'est pareil. Soit je fais ça. Quoi la différence ? Ouais, il n'y a pas une grosse différence. Non, bah on va se mettre comme ça. Et je vais donc invoquer mon chevalier. Oh là là ! Alors lui... On va lire son effet, tranquillement, dans la tranquillade. Ce monstre peut se déplacer de 2 cases par compteur déplacement utilisé, auquel cas il ne peut pas se déplacer normalement ce tour. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Je dépense 1 pour me déplacer de 2, mais tout c'est tout, fait. Je peux le faire qu'une fois. Non, tu peux te déplacer de 2, de autant de fois que tu veux. En fait, c'est un déplacement qui est spécial. En fait. D'accord. C'est juste que ce monstre-là... En particulier, enfin particulièrement lui, au lieu de se déplacer de 1 en dépensant un compteur, il va se déplacer de 2 en utilisant un compteur. Voilà, c'est-à-dire qu'il cavale, quoi. Ok. Alors, j'ai combien de déplacements ? 5. Donc, 1, 2 pour 1. Voilà. Ah, et là, je peux... Ah, je peux pas... Tu peux te déplacer de 1 aussi. D'accord. Voilà, tu peux aussi. C'est, en gros, tu peux, en fait, il peut se déplacer jusqu'à 2, mais tu peux le déplacer. Alors, je vais juste taper avec mon chevalier flamboyant, en fait. J'ai pas le temps. Juste, donc, chevalier flamboyant qui va, cette fois-ci, taper Kuribo. Et cette fois-ci, mon pote, là, bah, c'est du tout cuit, en fait. Ah, bah là, c'est bon, là, c'est fini. Donc, je dépense une attaque. Ouais. Bam. Allez, hop, plus de Kuribo. Ensuite. À la poubelle.
Ensuite, je réfléchis. On revient ici, sur ces situations où mon chevalier, il est juste ici. Donc, il est là. Ouais. Ton monstre, il a... C'est quoi les stats du lutin sauvage ? Alors, il a 10 de PV et 20 de, 20 de défense. Il a 20 de défense. Combien ? 20 de défense ? Ouais. 10 PV ? Ouais. Moi, je vais écouter... Ah ouais, mais je dois m'arrêter à son contact pour taper. C'est ça. Et le truc, c'est que du coup, comme t'as déjà effectué tes déplacements, normalement... Enfin... Ah, je vois tous les faire d'un coup ! Ouais, c'est mieux, c'est... Oui. Ah, ok. Est-ce que tu m'autorises à replay d'abord sûr. Taper avec le chevalier flamboyant et ensuite du coup passer dans ma phase. Oui, en soi ça change pas, que ça change rien. Ok, ouais. Donc j'ai tapé avec mon chevalier flamboyant et maintenant je me déplace. Voilà. Donc j'ai déjà consommé un déplacement. Voilà. Deux. Trois. Quatre. Et là je peux dépenser mon dernier pour taper tes PV ou comment ça se passe ? Il me semble que ce monstre peut se déplacer de deux. Oui, tu vas pouvoir. Généralement, ouais, tu vas pouvoir. Tu peux te déplacer de là. Vas-y. Ça sent pas bon. Et je viens au corps à corps. Et là, oh, je sens les petites gouttes de sueur sur ton front, Quentin. Je vais juste taper ton Monster Lord. Ok. Et donc là, je consomme un d'attaque et je t'inflige des dégâts. C'est ça. Juste, tu t'enlèves un d'attaque et voilà. Ok. Alors, je vais réfléchir à ce que je veux faire. Ah, j'ai plus de déplacement. Eh bien... Ah, tu les as tous consommés ? Ah oui. Je vais faire l'effet de ma magicienne. Je vais dépenser 2 d'attaque pour gagner 2 de magie. C'est 1 de magie. C'est 1 de magie. Bien vu. Et c'est à toi, mon pote. Ok. Alors, Quentin, j'ai l'impression que... Là, tu peux m'enlever mon petit cœur bleu. C'est vrai. De la technologie. C'est vrai. C'est vrai, le petit cœur. Bon, là, va falloir que ça tombe, parce que sinon, je suis un petit peu dans la... J'avoue que les gens, ils disent, je vois pas pourquoi ils pourraient se déplacer dehors. Ils ont peut-être raison. Attends. Parce que les gens, ils disent, je vois pas pourquoi ils pourraient se déplacer dehors, machin et tout. Est-ce que t'es sûr que je peux vraiment me déplacer dehors ? Ben, il y a marqué qu'il peut se déplacer jusqu'à 2. Du coup, jusqu'à, pour moi, c'est 1 aussi. C'est-à-dire qu'il peut avoir le choix, ouais. Ce monstre peut se déplacer de 2 cases. Ouais, il peut. Écoute, c'est toi le boss. Si tu dis que ça marche, on fonctionne. Bah, généralement, je l'applique. Généralement, je l'applique. Voilà. Il n'y a que, par exemple, un autre monstre qui dit que c'est strictement 3. Et du coup, bah, là, t'es obligé de faire par 3. Ok, il y a des monstres qui disent strictement 3. Voilà, c'est ça. Alors que là, il y a marqué jusqu'à. Du coup, en fait, la petite. Disons que je le laisse passer, quoi. D'accord. Ok. Allez, on part du principe que tant que c'est pas marqué. Strictement 3. Ouais, voilà. On part du principe que ça marche. Le but, c'est de s'amuser, de passer un bon moment. Mmh. Et là, je te suis devant tes PV. Donc, t'as lancé tes dés. Oh, tu fais niveau 3. Voilà. Oh non. Alors, mais je vais faire une invo 2. Et je vais mettre le lézard explosif. Tu l'aimais bien, ton chevalier aux 2 épées ou pas? Non, j'ai pas peur. Tu l'aimais bien ou pas? Est-ce que tu l'aimes bien? Ouais, je l'aime bien. Le lézard explosif? Ah, là, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah attends, je vais t'expliquer. Ceux qui connaissent dans le chat, à mon avis, ils savent de quoi je... De toute façon, la carte est affichée, donc... Ah bah là... Alors, comment tu vas te mettre, toi? Je vais me mettre... Vas-y, fais ta strat. On va se mettre là. On va prendre le petit lézard explosif qu'on va placer ici. Voilà, ouais. On va relancer. La petite figurine du lézard explosif. Hop. Ah, ça fait plaisir. 2 déplacements, 2 magies. J'aurais pu. Franchement. Là, bon, c'est, là, dans ta situation, c'est bien quoi. Voilà. Donc là, je suis à combien? Oh, 8 magies, ça fait plaisir ça. Donc ce qui va se passer, c'est que le lézard explosif, pour 3 magies, peut péter un monstre niveau 1 sur le terrain. Et je rajoute un compteur magie pour chaque écart de niveau. C'est-à-dire que pour 3 magies, je pète un niveau 1. De n'importe où sur la map ? N'importe où. C'est trop craqué ! Et du coup, pour 4 magies, je pète un niveau 2. Pour 5 magies, Je pète un niveau 3. Okay. Du coup, pour 6 magies, je peux péter un niveau 4. Bon, j'ai eu raison d'aller frapper tes points de vie. Donc là, je vais enlever 4 magies. 3, 4.
Et tu vas donc péter mon... Ce petit... Non ! Ah là là, c'était un bon monstre en plus. Et du coup, tu tues mon chevalier au deuxième. Et je vais pas... Et je vais encore enlever 4 magies. 4 pour péter lui. Ah oui, c'est pas one per turn. Ah allez. Ok, ok, toi tu veux te battre, toi. Ok, tu veux te battre, mon pote, y'a pas de problème. Y'a pas de... Il a fait le ménage, regardez le board. Ah là, ça y est. Il a fait le ménage. Bah, ça dégoûte. Bah, bien joué à toi. Merci. Ah bah là, j'étais en pression, clairement, tu m'as mis en pression, là. Là, j'étais sous pression, je savais pas trop... Là, s'il sortait pas, j'étais vraiment... J'étais pas bien, mais bon, il est sorti. Donc là, maintenant, on va essayer de... On va essayer de faire d'autres choses. Ouais. Qui vont sûrement pas te plaire, mais ça va plaire aux spectateurs. En tout cas, je trouve que le jeu est super simple à jouer, tu vois. Enfin, je veux dire... Ouais, une fois qu'on a compris le principe, qu'on a commencé à jouer, en 2-3 tours, ça y est, quoi. C'est... Ouais, ouais. C'est plutôt chill comme jeu. C'est... Donc t'as lancé tes deux... Oui. Oui. Donc oui. Là, c'est à moi de jouer ? Là, du coup, oui, effectivement, c'est à toi de jouer. Attends, mais ça, tu vas pouvoir le faire à chaque fois. Tant que j'ai des compteurs de magie à dépenser. Donc, va falloir que tu viennes jusque-là pour le battre. Ouais, ouais, j'ai peut-être pas le temps. J'ai peut-être pas ton temps, mon pote. Et du coup, comme tu as mis des trucs de ce côté-là, ouais. Bah, du coup, le fait qu'il soit là, va falloir... Ouais, t'inquiète pas, mon pote. C'est des niveaux 2 J'ai pas ton temps, moi. Je vais donc prendre des niveaux 3, mon pote. Ils sont là, les niveaux 3. Tiens. Ouais. Hop. Oh là là, regarde. Jamais le niveau... Allez, c'est parti, les gars, l'invocation de niveau 3. Non, mais deux déplacements. Un, deux. Deux fois deux ou deux? Non. Là, c'est des... Allez. Il a plus de compteur magie, c'est maintenant. Non, le troll. C'est bien, tu vas pouvoir te déplacer. Ouais, mais je gagne 3 en 2D. C'est plus, c'est mort. Faut voir le bon côté. C'est à toi, Quentin. Ok, alors là, dans cette situation... Allez, on va tenter les niveaux 4. Wow. Allez, alors, s'il me faut un niveau 4... Moi, franchement, j'ai envie d'en sortir un, hein, là, de niveau 4. S'il me faut un niveau 4, là... Alors, hop, il me manque un petit... Il est là. Allez, un petit niveau 4. Allez, 7%. Les 7%, ils sont pour moi. Les dés sont jetés. Bon, ben, rien du tout. Ah, c'est ce qu'il dit dans l'animé. Ouais, c'est les ça. Les dés sont jetés. Et un de magie, tiens. Un de magie, ouais. Voilà. Je vois. Tu vois, plus les magies vont augmenter... Est-ce qu'il y a Yaranzo, on demande sur le chat. Alors Yaranzo, non, n'est pas dans le set de base. Il existe, hein, mais je l'ai pas malheureusement. C'est okay. Les monstres de Duke Devlin qu'il invoque dans l'animé. J'en ai eu un seul, pas deux. Bon, allez, un d'attaque et un de magie. Ok. Eh bien écoute, j'ai pas ton temps mon pote, hein. On va vraiment l'invoquer mon niveau 3 mon pote, on va vraiment l'invoquer. Ouais, allez. Moi je sais lequel c'est. Oh là là, deux déplacements. Allez, au bout d'un moment là, ça va passer là. Dans l'animé, bizarrement, quand il a besoin, ça marche. Hein. Ah oui, bah ça c'est la spéciale de Yugi. Hein. Ouf. Un déplacement, deux d'attaque. À toi. Hop. Oh, j'ai mes compteurs, gros. T'es à combien là? Ah non, je suis à 11 d'attaque, c'est pas possible. Hop. Ouais. Voilà. C'est pas grave. Ah, mais t'as pas. Ah ouais. De quoi? T'as pas mal de déplacements quand même. Ouais, déplacement et d'attaque, là je suis chaud. Ouais. Alors, 2 de défense. 1 de piège. Et 1 piège. C'est des niveaux combien là? 4 encore? Ouais, 4. Ah ouais, je le veux. 2 de déplacement. Et 1 de magie. Hop là. À toi. Allez. Écoute, je vais faire. Mince. Je vais faire. Allez, vas-y, niveau 3. Il faut. Au bout d'un moment. Et le chat là. Les bras en l'air, le chat. Donnez-moi votre force. Donnez-moi votre chat. Oh, purée. 2 d'attaque. Et 1 de déplacement. 1 de déplacement. Je vais convertir 2 d'attaque pour 1 de magie avec ma magicienne. Ok. Elle est pratique quand même, hein. Ouais.
3 d'attaque. Non, c'est bien, tu vas pouvoir attaquer. T'es à 10 maintenant. Est-ce que je me déplace un peu? Est-ce que je me déplace un peu? Non, je vais rester comme ça. Okay. Ce qui est cool, c'est que ma magie, elle augmente un petit peu, tu vois, mais sûrement. Et ça, ça me régale. Encore, t'es niveau 4 là ? 4 déplacements, oh, oui. 4 déplacements ! Non, mais c'est craqué ! C'est les dés niveau 4 ça ? Les 4 de déplacement ! Ouais. 4 de déplacement ! 10-10, il est maxé là. Ouais, là, en déplacement, ça va cavaler. Allez, et t'as pris un magie encore ? Ah, oh, ça, c'est pas bon ça. Non, là, j'ai eu un piège. D'accord. Là, j'ai eu un piège là. 2 de défense. Et bon, qu'est-ce d'attaque. Qu'on fait ? On reste sur les 3 là ? Non, vas-y, on reste sur les 3. Ah, les dés niveau 4, faut les vouloir, il faut. Faut forcer le destin. Allez. Je vais me déplacer. Non, je vais activer l'effet de la magicienne pour 2 d'attaque. Et je vais gagner 1 de magie. Ouais. Et je vais me déplacer de 1 avec la magie. De 1 avec lui. Et je perds 1 du coup. Oh purée! Mais regarde, tu as 2 pièges. 2 pièges. Voilà, t'en avais pas encore. Hop là. Et 1 d'attaque. Allez. C'est maintenant le chat. Ah, j'ai trop peur. Et non. 2 d'attaque. 1 d'attaque. Et 2 déplacements. Et 2 déplacements. Oh, 10-10. Ah, on est maxé là. En même temps, là, on fait des dés vraiment risqués. Ouais, c'est ça. Allez hop, on y va. Là, maintenant, ils vont sortir maintenant, Zulu. Ah ouais ? Moi, je le sens. Je sens qu'ils vont sortir maintenant. Bon, ok. Bon, rien du tout. Alors, 10, je suis ok. Bah, du coup, il me prend 1 de magie. Allez, hop. Lui, il est cassé. Alors là, Zulu, il y en a un qui est cassé. Je vais le relancer. D'accord. Mais si c'est la phase 4 qui sort. Oh ! Non ! Si ! Non ! Et voilà ! Mon renoncé, non ! C'est satisfaisant. Qu'est-ce que tu me joues, là ? Oh, la dingue ! Je vais sortir. Le monstre ultime. Oh, le dragon blanc aux yeux bleus ! On part sur un petit dragon blanc aux yeux bleus. Lourd, ça ? Ouais. Le dragon blanc aux yeux bleus ! Allez, merci, hop. Monsieur Riz, et... Sacagnol pour le sub. Merci beaucoup. Hop là. Oh là là. Oh, regardez. Tu le vas le mettre. Oh, sa mère. Oh, purée. Voilà. Oh, purée. Il est là, la bestiole. Non, mais il est énorme. Il est énorme. Ah oui, il tient avec sa queue en plus. Ouais, il tient pas comme ça. C'est ça. En plus, il a une aile qui tombe. Oh, j'ai tout niqué. Là, il a perdu 10 d'attaque. Non, mais c'est l'aile de base, elle tient pas des masses, mais c'est... Voilà. Allez, un petit dragon blanc aux yeux bleus, ça fait plaisir. Premier monstre niveau 4 de la partie. Ah, il a vol ? Eh oui, il a vol. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir l'attaquer, sauf avec des monstres vol. Donc là, aïe. Donc là, j'ai 10 de déplacement. 1, 2, 3... Donc là, je vais dépenser 6 de déplacement. Pour déplacer de 3 ? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hop, et on va le déplacer pour le mettre devant la petite magicienne. Oh, il y aura un fight magicienne et ténèbres, dragon blanc aux yeux bleus, là ? Ouais. C'est ça que t'es en train de me dire ? Oh ! Ouais, je suis full mort, là, non ? Je suis full mort, non ? Il a 40 d'attaque. Wow. 40 d'attaque ? Eh ouais. Ah ouais, donc dans tous les cas, même si je défends, je suis mort, quoi. Ah ouais ? Oh, en plus, c'est pile poil, tiens. Parfait. Eh bien... Salut à toi, magicienne des ténèbres. On enlève un petit compteur d'attaque. Voilà. Putain, il faudrait une animation. Ce serait incroyable, quoi. Bah, écoute, du coup... Hop là. Je laisse le... Rip la magicienne, ouais. Oh, je suis pas bien. Il est en train de me remonter. Ça, c'est l'expérience, ça. Ouais, c'est beaucoup de chance aussi de l'avoir sorti. Ouais, mais si j'avais gardé mon renoncé... Ouais. Je faisais invoque renoncé. Ah ouais, tu me le prenais. Hein. Ah, tu me le prenais. Hein.
Donc là, va falloir que tu trouves un monstre qui puisse le contrecarrer quand même. Il a combien de défense? 30. Et 50 PV. T'as combien de défense? T'as 6. C'est tellement mort. C'est tellement mort. C'est tellement loose. Allez, on y va. Attends. Ouais, c'est chaud, hein. Wow. Allez, on y va. On y va. Ça va mieux d'un coup, hein. Et je vais prendre niveau 3. Niveau 3, tiens. Allez. Attends, allez, retire-moi tes dés, là. Allez, c'est parti. Oh. Un d'attaque et un de déplacement. Alors, un d'attaque, un de déplacement. J'étais déjà à 10, non? Oh non! Non, tu avais converti, je crois. Eh ben, tant pis. Dommage. Deux déplacements, du coup. Ah, bah, t'es déjà à 10. 1, 2, 3, 4. Bien joué, ça. Du coup, j'ai perdu. Ouais, j'aurais dû me déplacer avant. Ça, c'est mal joué. Bah écoute, je vais lancer des dés de niveau... Oh, on va lancer des petits dés de niveau... Oh, je sais même pas, en fait. Ah bah... Ah, tiens, si. Je vais lancer des dés de niveau 4 encore. Et... Non, de niveau 4 encore? Non. Non, attends, j'ai mieux que ça. De niveau attends, 4? J'ai combien de magie? Allez, hop, on va lancer des petits dés. Hop, deux magies de déplacement. Parfait. Deux magies de déplacement. Oh, je suis pas bien. Ah, je suis pas bien. Deux magies, deux attaques. Aïe, aïe, aïe. Magie, je suis là. Hop, et deux attaques. Ah, je suis mort. Et ma voilà. Gérée, il a tellement bien joué, là. Et du coup, je vais utiliser la capacité de ce petit chef, là. Ce qui fait? Ce qui fait que je vais retirer 4 compteurs de magie pour te péter, lui. 4 compteurs? Oui. C'est 2 par différence? Non, c'est 1, c'est-à-dire qu'en gros, pour 3 compteurs de magie, il pète un niveau 1. Et à chaque fois, je rajoute 1 pour chaque niveau supérieur, si tu veux. C'est-à-dire d'accord, que, il pète, du coup, c'est 3 compteurs magie pour un niveau 1, aïe. 4 pour niveau 2, 5 pour niveau 3. C'est le cimetière, là, j'ai perdu 5 monstres, là. Et donc là, j'enlève 4, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Là, je suis à combien de cases exactement? 1, 2, 3. Du coup, je devrais enlever... Ok, c'est bon. J'enlève 6 compteurs de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais venir, mon petit dragon blanc bleu va venir ouais, c'est full attaquer lose, là. Yugi. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je mets un monstre vol en phase. Alors d'un... apparemment t'as mis déplacement à la place d'attaque. J'ai mis déplacement à la place d'attaque? Je pense. Ah, attends, j'ai fait une erreur. Que tu as monté de 2 ton compteur de mouvement au lieu de l'attaque. Ah mais j'ai eu x2, au lancer d'avant, il me semble que j'ai eu x2 déplacement et x2 attaque. Okay. Non, j'ai dit une bêtise. Ça change pas grand chose. Ok, bon, j'ai peut-être fait un misplay. Mais il me semblait que j'avais quand même 6 de déplacement de base, donc. Ok. Oja Manoir brille de transpiration, c'est juste moi, c'est parce que. Ouais, il est content d'être là. Eh, je suis content d'être là, et puis il me met la pression aussi. Il a fait des bonnes strats, il a invoqué des monstres. Je t'ai enlevé le premier cœur, mais. Ah, tu m'as enlevé un cœur par contre. Et du coup là, ouais, j'enlève un d'attaque et je te enlève. Aïe. Eh bien, c'est à moi. Hop. Le problème, c'est qu'invoquer un niveau 3 maintenant, là. Ouais. Après, il faut arriver à le descendre, le petit dragon. Il n'y a qu'un seul monstre qui peut me sauver. Oh. C'est les dés de niveau 4, les gars. C'est les dés de niveau 4. Allez. Ah, 3 magies. 3? Il n'y a pas de x2, là? Non, 3 magies. 1, 2, 3. Aïe, 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 ça sent le sapin! Je suis condamné à l'exploit! Aïe. Eh bien, écoute, je pense là. Que ça va être la fin. C'est à toi. Allez, on va lancer des petits dés de niveau 3 pour rigoler. Lui, il va faire une niveau 3, tu verras. Hop. Alors, non. C'est mon téléphone. Ah, tiens, bon, une fois, c'est pas... Tout va bien, c'est pas grave. Hop, et voilà.
Hop, on va relancer. Y a pas de carte piège. Ah bah on n'a pas joué avec les objets pour cette première game. C'est ça, on va les mettre, après. Ah tu vois, j'en ai pas eu non plus. Ok. Et donc là tu dépenses un d'attaque pour me faire perdre un de cœur, c'est ça? Tout à fait. Avec ton dragon. Oui. Et c'est à moi. C'est ça. Donc là, c'est ton tour. De toute façon. Là c'est soit t'arrives à le gérer, soit c'est. N'empêche, c'est compliqué quand même d'avoir un petit dragon aux yeux bleus à tes pieds quand même, c'est... Faut le faire. Oui, écoute, je vais lancer niveau 3. En fait, c'est ce que j'aurais dû faire. Le lézard est broken, retirez-le du jeu. Mais le problème qu'il y a, c'est que si vous pensez que le lézard est broken, il y a pire que ça encore. Vraiment. Il y a vraiment pire que ça. Alors, déplacement... Et attaque. Et attaque. Et j'aurais jamais réussi à invoquer un niveau 3. Hein. Ah non. Et 4 pièges. Eh bien écoute, malheureusement, ça va être la fin, Quentin. Je te laisse achever mon dernier PV. Allez, je pense que tu peux juste taper. Ouais, on va lancer. Bon, allez. Hop, j'enlève un d'attaque. Ah allez, hop. Bien joué à toi, Quentin. Première victoire. ouais, clairement. J'ai joué les ressources super. Ouais, lui, il a fait la différence. En fait, ça s'est joué beaucoup. C'est-à-dire que lui, il est sorti il est sorti au bon moment. Il est sorti au bon moment. Le renoncer, c'est dommage. Mais ouais, à mon avis, à la prochaine partie. J'ai joué trop tôt. Ok, donc ça, c'était la première game. Quentin, je rappelle Quentin de la chaîne. Mage noir. Mage noir, bon, ça me fait. Oh, c'est bien aussi, mais. Donc là, on remet nos petites figurines. Voilà, c'est ça. Hop, on remet nos petites figurines. Mais pourquoi on joue avec seulement 10 cartes? C'est dans les règles, c'est strict dans les règles du jeu. On peut pas jouer avec plus ni avec moins. D'accord. Voilà, c'est ça pour le coup, c'est strict dans les règles. D'accord, ok. Eh bien, écoute, comment on fait pour ce duel? Est-ce que tu veux faire une draft? On peut, ouais. On peut pas, faire une draft. Allez, ouais. Vas-y, on fait une draft. Comment ça se passe du coup? Du coup, on peut faire une draft maintenant qu'on connaît un petit peu. Hop. En plein. Hop, petit dragon blanc, allez le casser. Hop. Tu vas là. Ah, j'avais l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, le magicien des ténèbres. Et j'avais surtout le magicien du temps qui pouvait détruire la carte avec la plus faible attaque. Oh, ouais. C'est pas les points de vie? Non. Il avait combien le Yaranzo là? Le monstre au fond là? Le lézard? Ah, tu l'aurais détruit. Il a 10 attaques. Tu l'aurais détruit. Et le lutin? Le lutin, il avait 10 attaques aussi dans le cas tu choisis. Oh. Je crois que c'était les points de vie. C'est pour ça que quand j'ai vu les niveaux 1, j'ai vu que t'as pris le renoncé et le magicien du temps, je me suis dit. Bon, il a quand même des sacrés. Il a des sacrés. Ok. Ok. Donc. On inclut cette fois-ci les magies? Ouais. Enfin, les objets, c'est ça? Ouais. Donc, qui sont des cartes bleues, tout simplement, et qui vont avoir la particularité de se matérialiser sur le terrain. C'est-à-dire, c'est ça. On va, comme une invocation, à la place de faire une invocation, on va placer un objet. Et quand l'un de nous, avec une créature, marche dessus, ça il va être, ça révèle va l'objet, voilà, c'est ça. Et il fait son pouvoir. Donc, ça peut être Quentin ou moi. C'est ça. C'est-à-dire que même si je mets un objet qui m'avantage, admettons si Zulu passe dessus parce que c'est un boss, eh bien il va profiter aussi de l'avantage. Okay. Mais le problème c'est que si on draft les objets, on va savoir. On peut pas. On a chacun le même nombre d'objets et d'accord. En fait on les inclut à notre set en fonction de notre convenance. C'est-à-dire d'accord. qu'on peut drafter les monstres parce qu'il y en a que un de chaque. Donc ça pour le coup c'est un petit voilà quoi c'est. Ouais. C'est vachement intéressant. Autant les objets après c'est vraiment pour combler, admettons, si on n'a pas eu une bonne draft et qu'on veut combler nos lacunes ou qu'on a des petites idées. Voilà, tu vois, c'est pour essayer d'équilibrer un peu le truc. Ok, eh bien écoute, je te laisse organiser la draft. Bah écoute, en vrai, pour le coup, il n'y a pas vraiment de règles, donc on va prendre tout. Ouais, là c'est à ta sauce quoi. Bah en soi, c'est une manière de se répartir les cartes parce que de base, comme c'était créé d'origine. Normalement, c'est les deux joueurs qui font leur propre deck, qui achètent leur booster. Il y avait vraiment des ventes de boosters de ces. Ah ouais, de des boosters trucs-là. Avec des figurines. Voilà, et tout, quoi. Des boosters avec des figurines. Et comme là, bah, c'est un jeu en soi complet avec ces petites figurines, bon, on les draft. Je l'aime beaucoup trop celle-là. Je l'aime beaucoup trop. Oh, il y a Exodia. Ah, non. Bien sûr. Et tu sais qu'il a un effet trop fort. Ah ouais? Son passif, c'est que lorsque tu lances un dé, tu récoltes le double de ce que tu lances.
c'est ah oui d'accord, c'est vraiment pété à ce fuck quoi. Ah mais il y a cela aussi. Ah, il y a pas mal de monstres hein, quand même. Ouais. Donc là tu vas révéler combien de cartes? Ben, ce que je te propose c'est qu'on fait un on les révèle par un peu comme il y en a beaucoup, je pense qu'on peut les révéler par 4. Du coup, on fait un petit paire feuille-ciseaux pour savoir qui prend la première. D'accord, du coup, je prendrai la deuxième inverse. Et après on inverse. Voilà, on peut faire ça, on fait par 4. OK. Voilà. On révèle 4 et on prend 2. Voilà, c'est On prend une chacun et ensuite on les met de côté et on ouais. retire 4. Ouais, je pense qu'on peut okay. faire on peut faire ça, on révèle 4, on en prend une chacun et les autres on les OK, vas-y, je suis chaud. Je suis chaud, ça me paraît. Allez, c'est parti. Du coup, tiens, t'as dit quoi, je te laisse couper. Non mais ça va, on est au championnat du monde de Tide Dungeon Duel ici les gars. Vas-y, je te laisse révéler. Hop, bah du coup tiens, pour savoir qui c'est qui vas-y. Commence, on lance un petit. Hop. Un petit... Ah, encore deux. Tu n'es pas le maître d'aider mon ami. Je fais 4, je vais commencer. Ok, allez, c'est parti. Cimetière de Mammouth. Alors attends, je vais faire un truc. Pour la draft, j'avais pas prévu de draft, mais t'inquiète. On va ajouter ça et on va faire. Tac, c'est où ? J'ai 1 milliard de scènes, hein, bien sûr. Tu peux la tester. Effectivement. Comment t'es venu l'idée d'acheter ça, de créer tout ça, Quentin ? C'est en relisant le manga. C'est à un moment donné, j'ai voulu relire le manga Yu-Gi-Oh! Parce que ça me manquait de fun. J'avais envie de relire les Saintes Écritures. D'accord, les Saintes Écritures. Voilà. Et du coup, bah, j'ai vu ce jeu. Enfin, j'ai relu ce jeu. J'ai eu beaucoup de souvenirs d'enfance me voyant regarder l'animé et tout. Et, ouais. Et je me suis dit, bah, ce jeu, il a un potentiel. Enfin, je trouve qu'il a un potentiel. Je trouve qu'avec ce jeu, on s'amuse bien, on se régale. Et puis, le côté figurine aussi, c'est sympa, parce qu'au moins, ça permet de matérialiser des monstres, comme dans l'animé. Donc, okay. J'ai relu ça, et je me suis dit, bah, ce jeu, je vais le faire. On va voir, on va se renseigner. Et puis, voilà. Et puis, maintenant, je suis là devant toi, en train de jouer avec toi. Donc, écoute, ça me régale, écoute, c'est cool. Makuba Zenithal. Voilà. Makuba Zoom au max. Wow. Alors, est-ce qu'on peut révéler 4 ? Alors, il va falloir que je dézoome. Hop là. Oh. Ok. Bon, bah, je te laisse choisir la première. Tu me laisses choisir la première. Wow. Voilà, c'est pas fou. J'avoue que le tirage est nul. Le tirage, parce que t'as pas envie d'avoir ça en niveau 4. Non. T'as niveau 1, c'est une petite merde, hein, on peut le dire. Écoute, je vais prendre le... Ah, il a 30 en défense quand même, c'est intéressant. Mais à niveau 3... Non, je vais prendre le cimetière de même. Bah écoute, je prends l'alligator toon. Ah ça, oui, donc t'as pris littéralement ma carte en moins bien. Bah c'est ça, et puis là franchement... Ah mais attends, mon cimetière de mammouth, il buff ton... Oui. Oui, d'accord. D'accord, ok. Ok, ouais. Eh bien là, c'est à toi de commencer du coup. Ouais. Oh. Franchement, le chevalier flamboyant, je l'aime bien. Ryuran, lutin sauvage. Oh non, mais non. Mais non. Attends. C'est... Non mais... Moi, j'ai eu un truc pété, et lui, là, au Slifer, le dragon du ciel. Vous devez retirer 4 compteurs de déplacement pour déplacer d'une... Ah oui, c'est une statue, le truc. Lorsque votre adversaire invoque un monstre, infligez 10 de dégâts directement. 60. Et il a vol. Il a vol. D'accord. Bah vas-y, hein. On va prendre un petit Slifer. Putain, vas-y. Hein. On va prendre le lutin sauvage qui contre directement ta capacité vol. C'est vrai. Et du coup, c'est à moi de choisir. Maintenant. Ouais. Non, le lutin, il détruit pas. Il enlève la capacité voilà, vol, les gars. Hein. Oh my god. Alors là, il y a un choix quand même. Moi, je vois un choix. Parce qu'il y a deux monstres qui sont vraiment. Ouais, mais ça veut dire que toi, tu vas pas reprendre l'autre. Il est trop fort aussi.
En fait, les deux sont forts. Lui, lui... Alors, ce monstre peut attaquer un monstre situé à deux cases plus... Ah oui, il kite, lui. Lorsque ce monstre est invoqué, vous pouvez déplacer max deux pièces de donjon. En fait, tu vas prendre des pièces de donjon qui sont sur le terrain et tu les remets comme tu veux. En même temps, il y a une pièce là, je vais la mettre là-bas. Hein ? Mais je peux. Hein ? Ouais, il est pas mal, lui. Vous ne pouvez pas déplacer. Ok, et lui, tant que ce monstre est dans le donjon, les compteurs obtenus... Ah oui, double. Ouais. Donc, tous les seuls les monstres dotés de capacités vol et tunnel peuvent attaquer ce monstre. Enfin, vol et... Enfin, ou tunnel. Ou tunnel, ouais. Bon, je vais prendre le mage tout puissant. Hein. J'avoue qu'Exodia me tentait, mais... Est-ce que j'ai vraiment envie, du coup... Non mais gros, c'est un Exodia et Slifer, j'ai juste perdu en fait. Allez, vas-y, on va prendre Exodia. Ensuite. Waouh ! Attends, c'est encore à toi de choisir ? Ouais. Oh, va te faire foutre. Va te faire foutre. C'est quoi ? J'ai envie de le tester, parce que je l'ai jamais joué, mais je vais prendre le gardien de la porte. Il fait quoi ? Le gardien de la porte, lorsque ce monstre est attaqué, je transfère les dégâts de l'attaque sur un autre de mes monstres présents dans le donjon. C'est-à-dire que, en utilisant 3 compteurs magie, je vais pouvoir, si jamais tu veux me l'attaquer, répartir les dégâts. Je transfère les dégâts à un autre monstre. Et le truc, c'est qu'il a 50 de PV, 40 d'attaque, 40 de défense, c'est une belle bête, quoi. Et j'ai bien envie de le jouer, lui. Alors, bah vas-y, obélisque. 4 de magie, seulement lorsque ce monstre est invoqué, infliger 10 de PV à tous les autres monstres présents dans le donjon. Les vôtres inclus. Non mais Slifer est tellement meilleur. Ah, Slifer est meilleur, mais lui, quand il arrive, il faut le sortir au bon moment, quand c'est... Par exemple, lui, là, tu le mets devant Yuki. Faut le passer, le soldat géant de l'obélisque, là. Ouais, mais c'était un monstre vol. Après... Est-ce qu'on peut attaquer sur le côté ? Bien sûr. D'accord. Tous les monstres, les vôtres inclus, perdent leur capacité de tunnel. Oh, je sais pas. Parce qu'obélisque, il y aura peut-être mieux, quoi. Mais il faut le mettre au moment opportun. Le sage des ténèbres, franchement, pas ouf. Il faut dire qu'il a des grosses stats aussi. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, Slifer aussi, il a 60-60-60. Obélisque, il a 60-60-60. Rien que parce que la truc, elle est balèze. Il a des bonnes stats. Ok. Ok. Oula. Bon. Alors, Crocosaur, elle a l'air éclatée et pourtant, elle est niveau 4. Il est ok. Lorsque ce monstre déclare une attaque, il peut gagner 10 d'attaque de manière permanente pour chaque compteur d'attaque supplémentaire utilisé. Dans ces 4 monstres, il y en a un que t'en as besoin. Bah, le ninja frappeur, il a l'air cool. Ce monstre gagne la capacité vol, ce monstre gagne la capacité tunnel. Moi j'en vois un que t'as vraiment besoin. Ouais, lui, mais le problème. C'est que c'est un niveau 3, quoi. Alors que le ninja. Il trace sa mère, quoi. Ouais, mais Slifer a vol, et lui il enlève la capacité vol, c'est-à-dire que ça marche aussi pour les monstres inverses. Bon, après. Allez, je me sens un peu obligé. On prend 10 monstres et des objets ? C'est-à-dire que là, en fait, ce que je te propose, c'est qu'on fait le paquet et après, on buildera... Ah, d'accord, voilà. C'est une info intéressante, ça. Voilà, on se fait le paquet. Oh. C'est à qui de choisir, là ? Oh. C'est à moi. Non. Oh. Non, mais ça va ! Il dégoûte quand c'est à lui, il a toujours des choix de ouf, c'est quoi. C'est à moi, ça. C'est... Oh là là! Ouah! Le tirage de la honte! De me renoncer. Le renoncer? Ah ouais, je prends le renoncer. Ouais. Non mais trop fort le renoncer. Non mais il a gagné! Il a tout! Les monstres les plus forts sont pas tombés encore. Quel est l'intérêt de prendre le dragon blanc du bleu alors que j'ai l'ultime? Bah disons que le dragon blanc du bleu, il a vol. Le dragon blanc du bleu ultime, il a plus de PV. Ah, il a pas vol ! Il a pas vol. Mais en fait, il a un truc pour le restreindre, mais en soi, il a pas vol. C'est-à-dire que lui, sa restriction, c'est qu'il peut se déplacer de 1 une fois par tour, c'est tout. Du coup, il a un effet qui le restreint.
Alors que le, lui, là, il non, a non, vol. Mais, je prends le vol. Et, mais il a des meilleures stats. Voilà. Je hop. Prends le vol. Bon, bah, le magicien du temps, ce sera pour cette partie. Hop. Ouh. Oula. Oh, oh, oh. Lui, t'as fait mal tout à l'heure. Ouais. Ouh. C'est à qui, là, déjà C'est à toi, je crois. J'ai choisi de renoncer. Ah, allez, hop. Attends, ça, c'est oula, quoi, ça fais gaffe. Sphère de tonnerre. Ce monstre se déplace tout droit dans une direction jusqu'à arriver devant un monstre objet et le détruit. En gros, regarde, je te fais un petit schéma. Là, admettons, il y a un chemin là. Ouais. Je paye 3 de magie. Et ce qu'il y a sur son passage, il le pète. Et il reste. Allez, hop, et c'est pas une fois par tour. C'est-à-dire que si t'as 6 compteurs de magie, tu peux. Ah, mais il meurt même pas lui ! Et non ! Oui, d'accord. Non, mais aussi, si t'as des trucs pétés aussi. Mais il y a, voilà. Des petits monstres sympas du set de base. Ça fait plaisir. Hop. Oh. Hmm. Ce monstre peut attaquer les vols. Intéressant. Et niveau 4 aussi. Il y a des trucs intéressants. Hein. Si je peux faire une strat bête, c'est à toi ou à moi de choisir c'est à toi. Il me semble que. C'est oui, toi. C'est à moi. Je vais. Alors attends, est-ce que j'ai des bêtes moi. Ah, il est beau lui. C'est vrai qu'il est beau, toi t'as. Ah ouais, bon. Allez, on va prendre le loup fleuri. On va faire une strat bête. Pour une petite dédicace. Il va faire une strat bête. Petite dédicace à un pote avec qui on a galéré pour choper les fées. En fait, le truc c'est. Quel est l'intérêt de prendre Gaïa quand t'as le dragon crâne noir quoi. Bah c'est que Gaïa, bah, le dragon crâne noir a vol, du coup il est lent, et lui il est rapide, et il se déplace et ah, il peut attaquer les vols. Ah oui, vol c'est lent, c'est vrai. Et oui, faut pas c'est oublier deux que... points. Ouais, c'est deux déplacements pour un carré. Ah, voilà l'intérêt. Ouais, mais bon, j'ai déjà... Voilà. J'ai pas beaucoup de niveau 1 quand même, mais... Après, entre tout ce que t'as, tu on fera, on va choisir une. Prendre l'insecte. Prends l'insecte. Ouais. Ok, let's go. Let's go. Ah bah tiens, ton petit chouchou. Ouais, le dragon bras d'épée, Kuribo. Kuribo. Et le dragon à deux têtes. Eh bien, on va prendre Kuribo. Allez, et moi je vais prendre le dragon. Alors là, il y en a qui vont se retourner par terre quand ils vont voir l'effet de cette carte. Dragon magicien ? C'est pour moi le monstre le plus fort du jeu. Hein ? C'est le plus fort pour moi. C'est à qui de choisir ? Il me semble que c'est à toi. c'est à moi de choisir. Ce monstre peut ajouter la défense d'un monstre adverse à la sienne. Ce monstre peut détruire tous les monstres objets, les vôtres inclus, mais dragon magicien exclu dans un rayon de... En gros... Pour toi ! Non mais ça va aussi ! C'est-à-dire qu'il est là, admettons t'as Sleef, Robélisque, ce que tu veux, boum. Non mais que pour toi ! Et lui il meurt pas ! Et non, en plus il a un effet, il a un effet de piège qui lui permet d'augmenter sa défense... À longueur de game. Mais... il veut que je lui donne un billet de sang aussi ou quoi genre Ouais, franchement, s'il y avait une bonne liste, lui faudrait le nerf. Ah bah ouais. Mais surtout que toi, tu peux le nerf en fait. T'as... Bah en soi... Tu pourrais. En soi, je peux le nerf. Après, là, c'est vraiment les effets originaux. C'est pas des effets que j'ai inventés du tout. Hein. Okay. C'est vraiment des effets retraduits. Exactement les effets originaux. Ce monstre peut gagner 10 d'attaque de manière permanente par 3 compteurs de magie utilisés. Ouais, c'est pas beaucoup. Chevalier sans tête. Il a tunnel. Tant que. Il a quoi ? Il a tunnel. Ouais, il a tunnel. Tant que ce monstre est dans le donjon, tous les monstres de type zombie gagnent 10. Ouais, bah des zombies, il n'y en a pas beaucoup. Si, il y a. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, je crois que c'est peut-être. Il y en a 2. Ouais, mais Orgoth, il est pas sexy. Prendre ça. Let's go. Bon, là, on arrive à la fin du paquet. Ouais. Ça va go. Après, c'est toi qui choisis. Ouh, la magicienne. Magicienne. Le petit rat préventif. Le magicien des ténèbres. Et le Kaiser.
Et la dernière, on la joue pas. Et c'était... Oh, le lézard explosif. Allez. Voilà, le lézard explosif. Et c'est à moi de choisir. Bon, vous le verrez pas, cette partie. Je suis... Carte à papa, on est là. Hop là, je vais jouer ça. Ok, bah écoute, je vais prendre le Kaiser. Ok. Adieu, wow. Et donc là, on choisit combien ? 10. Là, tu prends ton paquet d'objets, ton paquet de monstres, 10 cartes, tu choisis. Waouh, ah ouais. Voilà. 10, c'est pas beaucoup quand même. Ouais. Bah bon, il a déjà. Non, mais il a Sliffer, le type. Ouais, ouais. Hop. Le type, il a Sliffer. Hop. Hop. Voilà. Il fait quoi, Sliffer, déjà ? Alors, Sliffer. Il me faut 4 compteurs de déplacement pour le déplacer d'une case, c'est-à-dire qu'il va pas bouger beaucoup. Ouais. Par contre, lorsque mon adversaire invoque un monstre, pour un piège, il prend 10. Cadeau, c'est gratuit. C'est trop fort. Ah, c'est cadeau. 7. Ok, alors là, j'ai mis combien déjà ? Ouais, c'est le moment où on build hein, les gens, tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'il y a dans... Alors, je connais pas du tout les pièges. Makuba Zenithal. Makuba Zumomax. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh. Oh. Mmh. Oh non mais il y a des trucs mon pote. Oh. Allez, on va partir sur ça. Vas-y, montre. Oh, ouais, non, montre pas. Garde la surprise. Bon, en soi, il le savait un petit peu quand même. Ah, ouais, tiens. Allez, hop. C'est parti. Alors il n'y a pas rat dans le jeu. Alors non, il faut savoir que rat n'existe pas dans le jeu parce que DDM ça s'est arrêté au début de Batailleville. Donc non, rat n'est pas dans le jeu, mais je compte pourquoi pas un jour lui créer sa petite carte. Et parce qu'en soi, bon, le jeu, il n'y a pas de réglementation derrière. Là, il y a vraiment tout, comment dire, toutes les cartes en soi, elles sont officielles avec leurs effets et tout. C'est vraiment les effets de du jeu qui a été fait aux alentours des années 2000. Mais en soi, après, rien n'empêche après de créer des cartes. Le souci, c'est qu'à un moment donné, si je commence à créer trop de cartes, il y a des cartes qui sont peut-être trop fortes ou d'autres pas assez fortes. Donc après, ça demanderait un suivi. Et puis en soi, après, tout le monde peut créer sa propre carte du dragon et les deux rats. Donc, voilà quoi. Faudrait qu'un petit support, faudrait que ce soit officiel, entre guillemets, pour pouvoir avoir quelque chose d'équilibré. Mais je la créerai, je pense, un jour. Ça me fera bien kiffer de mettre le dragon et les deux rats dans le jeu. Je pense un effet en mode tu sacrifies tes propres monstres pour augmenter son attaque ou pour détruire un monstre sur le terrain, par exemple. Ça peut être grave cool. Je pense, franchement, ça peut être pas mal. Ok, écoute, j'ai 10 cartes. J'ai juste 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je pense qu'on va pouvoir lancer notre deuxième duel. Tu m'as battu sur le premier duel. Ouais. On peut remettre nos compteurs à zéro par contre. Tout à fait. Hop, alors. 1, 2, 3. Hop là. Putain, j'avais tellement de compteurs. C'est bon pour moi. C'est parti. Et on va lancer un dé. 3. Hop. Allez, on y va. 2. Mais deux. Alors, vous avez pas vu parce que ma cam n'est pas réglée. 3 duels, 3 fois que je fais 2 quand même. Enfin, non, qu'est-ce que je dis ? Non, tout à l'heure pour les cartes. Donc, t'as fait 2, j'ai fait 3. Je vais donc commencer !
tiens, ça c'est à toi. Je vais commencer avec des niveaux 2. Alors, je suis désolé, j'ai tout mélangé du coup. 2. Ça c'est 4. Ça c'est 4. Ça c'est 2. C'est les deux. Ouais. Ok, je commence avec des niveaux 2. Et directement. 4 déplacements. 4 déplacements. 1, 2, 3, 4. Et rien du tout. Deux attaques, deux déplacements. Deux attaques, ouais, deux tu déplacements. Tu stacks déjà pas mal. C'est à là, toi. C'est... Merci Tiger Spirit pour le sub. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prends les dés de niveau 1. Pour 6 mois d'avance, merci à toi. Alors, une invocation 1 et 2 de défense. Oh, ça y est, il invoque déjà. C'est parti. Et je vais placer un objet. Ok. Donc là, la carte objet, je vais la mettre ici en face cachée à côté. Ça se voit, c'est bon. Ouais. Hop. Donc là, je vais choisir. Il est où ? Qu'est-ce que je veux ? C'est celle-là. Donc là, hop, je vais le mettre là. Ouais. Je vais prendre un petit dé. Hermocraft. Ouais. Voilà. Ah, tu places un objet là ? Voilà, c'est ça. Et tu ne sais pas lequel c'est. Ah, du coup, j'ai un déplacement et deux défenses. Ok. À toi. Eh bien, écoute. Allez, les niveaux 2. Les deux. Yes. Alors, je prends deux d'attaque. Ouais. Et comme tout à l'heure, je vais commencer par jouer la magicienne des ténèbres. En jouant 1. Et. Paf. Ensuite, je vais rejeter. Oh, 6 magie. 6 de magie. Ma puissance augmente, elle est sans limite, Quentin. C'est à toi. Donc ma magicienne et ton objet pour l'instant. Ouais, mais si. Bon, allez. C'est parti, on va prendre des dés de niveau 3. Des dés de niveau 3. Ouais. Et une invocation 3. Non. Aussi. Non. Wow, je sens que ce duel va être rapide. Je sens que ce duel va être très très rapide. Je vais mettre un autre objet. Wow. Tu mets un autre objet. Mais toi, t'as des strats de ouf, toi. Hop. Un autre petit objet. Ici. Je vais relancer. Je me suis mis le 1 d'attaque. Oui. Oh. Ah bah tiens, encore une invocation 3, mais bon. Je peux pas la Alors faire. Que tout à l'heure, moi, j'ai bavé pour en faire, quoi. Oui, déplacement. Alors ça, je peux pas. Et moi, je vais lancer des dés de niveau 1. Oh, une triple invocation. Je peux même mettre un dé. Alors, je peux faire une invocation niveau 2 si je veux. C'est ça. Est-ce que j'ai envie de faire une invocation 2 ? Je vais placer un objet. Un peu là. Et c'est à toi. Ok. Donc là, on met nos objets sur le côté. Ok. D'écoute, on va passer un peu. Allez, un DD de niveau 1. Ok. J'ai perdu. Ah non, je suis. Allez. Ah, mais t'as pas relancé, je crois. Ah, bien vu. Ah bah. Ok, bah super tour. Une invocation et deux défenses. Une invocation 1. Bah écoute, je vais directement. Ok. On va le mettre là. Hop là. Ah. Non. On va mettre notre petit dragon à deux têtes.
Ok, alors rappelle-moi ce qu'il fait, lui. Alors, lorsqu'il est invoqué, je peux ajouter un compteur de mon choix dans ma dans ma réserve. Donc là, on va prendre... Le dragon à la tête. On va mettre ici. Et je vais choisir de m'augmenter... tiens, on va augmenter la magie. Hop. Ok. Ah oui, lui, quand il arrive, tu peux invoquer... Je peux ajouter un compteur. Tu peux stacker n'importe quoi. Voilà. Et du coup, il a tunnel, ça veut dire qu'il peut passer à travers... Le monde. Mais pour le moment, je crois que c'était comme mon premier lancer là. Oui. Alors. 4 de défense. Oh là là, mais toi, t'as pas le temps. Ah bah, je suis déjà à 10 de défense. T'as juste pas. T'es déjà à 10 de défense ? Ouais, je suis déjà à 10, ouais. D'accord. Eh bien, écoute, je vais lancer du. Du 4. Je vais tenter le. Je peux tenter du 4. Je vais tenter du 4. Ah, il est là. C'est là. Non mais vas-y, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ah presque. Ah, y a, un défense et deux déplacements. Allez, allez. Allez s'il vous plaît. Alors, tu as deux déplacements, un de défense et un de magie. Un de défense et un de magie. Ok. Hop. Oula. Ok, donc là maintenant... Alors apparemment, tu dois me parler d'un Discord, ouais. Quentin. J'allais justement j'allais le faire, parce qu'il me spamme depuis tout à l'heure. Je vois ça. Mais j'allais le faire. Alors en fait, j'ai créé du coup, en parallèle de mes vidéos, j'ai créé aussi un Discord, Dungeon Dice Monster FR. Donc si vous voulez recréer le jeu chez vous, parce que j'ai fait une vidéo qui vous permet de recréer ça chez vous. Donc oui, parce qu'on peut. C'est très rare de le trouver, c'est très cher. En soi, c'est cher, c'est rare. Et si juste vous voulez jouer chez vous. Voilà, vous pouvez. Voilà, il y a des petits tutos, des trucs sympas. Si vous avez des questions, si vous voulez faire du remote, on peut faire du remote Dungeon Dice, j'en ai déjà fait, et ça marche plutôt bien. Vraiment. C'est vraiment. Ah ouais cool. Ok. Parce qu'en fait, les deux joueurs ont le tapis, et en fait, tu vas construire le donjon de ton adversaire, en fait. Tu vois. Et ça marche vraiment bien. Donc si vous voulez faire du remote... De Dungeon Dice Monster, quoi, genre. Voilà, donc si vous voulez recréer le jeu chez vous, que vous avez des questions, si vous voulez partager un petit peu, si vous faites des créations, ou de l'impression 3D, que vous voulez le partager avec la commu, franchement, venez sur le Discord. Franchement, on va bien s'amuser. C'est quoi le Discord ? Le Discord, c'est Dungeon Dice Monster FR. Vous l'avez dans les liens de mes vidéos. Normalement, il est dans tous les liens de mes vidéos. Donc voilà, si vous voulez partager et enrichir le jeu avec nous, hein, parce qu'on est déjà... je crois qu'on est 8 sur le Discord. C'est pas... Okay. Enfin bref, venez. On va s'amuser, on va s'éclater. Voilà. Eh bien, vas-y. Du coup, est-ce que j'ai lancé mes dés ? Je crois pas. Juste avant. Donc là... Bah écoute, je vais lancer des dés de niveau 3. Ouais. Oh là là, il va me saucer. Non. Non, mais c'est une masterclass, arrêtez-le. Ah. Ça fait... c'est sympa quand même. Franchement, ce jeu, c'est très, très bon jeu. Qu'est-ce qu'il va me faire. Sympa le jeu. Bon, on va mettre un petit ninja frappeur. Oh. Oh là là. Regarde, parce qu'en plus, j'ai une porte d'entrée là, je crois. Wow. Oh oui, j'ai une petite porte d'entrée là, ouais, ça marche. Wow, la sauce. Voilà, le petit ninja frappeur. Alors, on l'a pas vu encore en jeu, du coup, bah, c'est super cool parce que je vais vous le présenter. Alors, le ninja frappeur, c'est celui qui se déplace strictement de 3. Voilà, qu'on avait dit tout à l'heure pour le chevalier aux deux épées. Alors, je ne le trouve plus, il est là. Là, c'est le petit ninja frappeur. On le voit, on le voit dans l'animé, justement. Et c'est lui qui arrive à... Qui met en difficulté Duke Devlin parce qu'il a une capacité d'esquive qui est vraiment sympa. Donc voilà, il régale. Non, il réré. Voilà, en un seul lancer. Je crois que j'ai augmenté mon compteur d'attaque. Je sais pas. Le chat nous le dira, t'inquiète. Bon, bah, je vais relancer. Ah bah là, 2 d'attaque. 1, 2. Ok. Ok, du coup, je vais enlever un compteur de déplacement. Ouais.
Et on va se déplacer directement à côté de la magicienne. Wow. Et on va attaquer. Combien ? Il a quoi en stats ? Oh, il a pas des stats de ouf, il a 20 d'attaque. Ok, j'ai 20 de défense. Ouais, du coup, j'ai enlevé. Alors, combat magicienne des ténèbres contre le ninja frappeur. Tlac ! Oh. Eh bien, vas-y, je t'écoute. Du coup, est-ce que tu défends ? Bah oui, je défends. Bien sûr. Bah alors, il se passe rien. Je perds un compteur. Ouais. Du coup, tu as 20 de défense, donc il se passe rien. La magicienne survit pour le moment. C'est beau, ça ! Voilà, voilà. À toi. Ah, il y a un petit problème dans ma scène. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Alors, à moi, eh bien, je vais... Oh, qu'est-ce que je fais, là ? Allez, niveau 3. À moins niveau 2. Après, tu peux mettre un niveau 3 si t'as ligne 3 niveau 2. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tu peux quand même... Attends, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai de niveau 2, là ? Qu'est-ce que j'ai ? Ah ouais, j'ai pas de piège, je pourrais pas utiliser sa capacité. T'as 10 de défense ! Ouais. Non mais ça va aussi ! J'hallucine. Bah 10 de défense, mais il me semble que ta magicienne elle a 20 d'attaque, non ? Ouais. Bon, ça... Ouais, mais t'as 20 points de vie. Ouais, du coup je vais juste prendre 10 de dégâts, tu vas pas le vaincre ce tour-ci. Je peux taper avant de lancer mes dés ? Non, t'es obligé de lancer d'abord tes 2 dés, 2 fois tes dés, et après de faire... D'accord. De faire tes... Vas-y, je vais lancer niveau 3. Au bout d'un 3. Moment, il faut y aller. Allez, hop, allez. Allez, c'est parti ! On fait le lancer spécial de Duke Devlin. Il dit quoi ? Ah, franchement, là, c'est quoi sa phrase ? Allez. Go dés ! Merci, y a la moitié qui est... Les dés sont jetés ! Les dés sont jetés ! Ah bah c'est cool, t'as des pièges, il m'en fallait, mais... Alors, t'en as 4 pièges et 1 d'attaque. Et 1 d'attaque. Ok. Allez, les dés sont jetés ! Allez ! Les dés sont jetés ! Tiens, vas-y, relance-le. Ah bah, ça sert à rien. Alors, tu as 1 de déplacement, 2 pièges et 1 d'attaque. Eh bien, écoute, je vais taper ton ninja ! Ok. Du coup, normalement, il a une capacité d'esquive pour 3 de pièges, sauf que je n'ai 0 pièges. Donc là, je vais mettre un petit dé. Il me reste 10 PV. Donc magicienne contre ninja. Ouais. Du coup, je vais quand même payer un coup de. Un de défense. Même ouais. Pour utiliser ma stat de défense. D'accord. Voilà. Donc okay. Là, il a plus que 10 PV. Donc. On verra ce qui se passe au prochain tour. Vas-y. Alors, hop. Hop. Alors. Regardez ce terrain-là. Bon, les dés, c'est les objets. Hein. Allez, c'est parti pour le chevalier. Je l'ai annoncé. Oh merde. Je l'ai annoncé, j'ai vraiment pas fait exprès. Aïe aïe aïe, je suis dans la sauce. Et le truc, c'est qu'en plus, là, j'ai une route en fait. Ah, j'avoue que tu m'as rushé tellement vite. Ah, alors. 4 déplacements. Et 2 d'attaque. 1, 2, 3, 4. Et 2 d'attaque. Ok. Là, si j'arrive à le mettre, ça sent bon pour moi quoi. Je l'ai pas mis. Par contre, j'ai 4 de magie. Yes. 1, 2, 3, 4. Ok, on est bon. Ah, j'ai 11 de déplacement, moi. J'ai combien de déplacements ? 5 ? Bah écoute, j'ai pas envie que ta magie... T'as combien ? T'as 10 de déplacement ? Oh, tu vas le courser. Attends, là, t'as tunnel, toi ? Là, je veux partir, en fait. Alors, lui, il a tunnel, pas lui. Donc là, ça me... Ah. Il veut déjà pas t'en retrait ! Moi, là, je pense que je vais... En vrai, je vais partir. Allez, c'est parti. On va utiliser un. Bah hey, écoute, on va dépenser. Je vais aller squatter mon objet. Allez, je vais dépenser 3 de déplacement. Ouais. 1, 2, 3. Du coup, je vais faire 1, 2, 3 pour 1. Ouais. 1, 2, 3 pour 1. Du coup, là, l'objet. Donc là, on le révèle ? Ouais, c'est ça, vas-y. Et c'était Monster Reborn. Mais vu qu'il n'y a aucun monstre. Ah ouais. Bon. Ça ne marche pas. C'est ça. Et du coup, mon dernier. Bon, ouais. Je l'ai mis... Ah, regardez comment il court. Il est à l'abri. Regardez comment il court. Qu'est-ce qu'on jette, nous ? Du coup, à toi. Qu'est-ce qu'on jette ?
Qu'est-ce qu'on jette? Allez, on jette du 3. On jette du 3. Est-ce qu'un jour, je vais réussir à faire une invocation 3? C'est vrai que t'as réussi en... les 3, tiens, je te les passe. Attends, du 2. Je les prends, je les mets à côté de moi, tu sais. Hop, tiens. À dispo. Allez. Alors, je suis presque, un déplacement, bon, je suis à fond. Je suis presque déçu pour et toi. Et une d'attaque. Ouais. Oh, mais non, deux de piège. T'as deux pièges. Un d'attaque. C'est, voilà, ça ne veut pas, c'est à toi. Bon, bah écoute, hein, on va... Au moins, mes tours sont rapides. Hein. Ouais, bon, bah écoute, on va essayer de le rappeler. Est-ce qu'il va venir? Lequel? Oh, tu fais 4, là? Non, je fais chevalier aux deux épées, là. Parce que moi, j'aimerais bien tenter 4, mais... Ah, ben voilà. Du coup, petite 2 d'attaque. Et on va mettre le petit chevalier aux deux épées. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que si je dis pas de bêtises... Non, non, je peux pas. Ah, shit. Attends. Non, ça marchera pas. Non, ça marchera pas, là. Ah, vraiment, c'est dommage. Ah ouais, ça, c'est... Bon, remarque, comme ça, c'est bien aussi, non? Je pense quoi? Oh, dis-moi, l'enfoiré! Qu'est-ce que t'en penses? L'enfoiré! Hop, on va mettre le petit chevalier aux deux épées. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se déplace vite et il peut attaquer jusqu'à 2 fois, maximum de 2 attaques contre un seul monstre. En fait, il va pouvoir attaquer à 40. En fait. Et c'est sa petite faculté, c'est qu'il peut attaquer plusieurs fois en dépensant 2 compteurs d'attaque. Au lieu de 1. Mais donc, le monstre, il peut défendre 2 fois ou pas? Le monstre peut défendre de soi, oui, parce qu'il a 2, enfin, c'est 2 attaques consécutives. Voilà. Ok. Eh bien, c'est à toi. Donc là, hop, on va relancer. Ah oui, t'as encore ton deuxième lancé. Loli va finir comme Yugi dans l'animé, il va plus pouvoir invoquer. Bah si, je peux invoquer de l'autre côté. Alors, 2 magies, 2 attaques. Alors, magie. Hop, et 2 attaques. Ah, c'était top. Ok, ah ouais, c'est... Du coup, je vais enlever... du coup, 2 compteurs de déplacement. Un pour aller là et un pour aller là. Wow. Non, mes points cœur. Du coup, hop, on enlève. Ah bah du coup, je n'ai plus de déplacement. D'accord. Et là, je vais t'attaquer. Eh bien, je vais perdre un du coup. Un petit cœur. Eh bien, c'est à moi. Tout à fait. Ah, j'aurais dû faire une strat avec des lots... L'eau niveau. Il a combien de... C'est quoi les stats de... Alors, il a 30 PV et 10 de défense. Alors, il faut le taper à 40 pour qu'il passe... pour qu'il tire sa révérence. Bon, écoute, tu m'as saoulé. Les 4, ils sont où, là? Les 4... Là, ils sont là, les 4. Allez, il est là. Franchement, d'invoquer le seul et l'ultime. J'ai peur. Ah, dommage. Un défense. Ça se joue à rien. Et un de piège. Un de piège. Oh, parce que je joue tellement à rien. Je suis dans la sauce, en fait. Hey. Pourquoi j'ai pas le droit au bonheur, moi? 2 de déplacement, 1 d'attaque et 1 de piège. Ok, eh bien, je vais aller avec ma magicienne. Je me déplace de 1 et je tape. Très bien, du coup, je vais défendre. Du coup, tu prends 10. Du coup, elle attaque à 20. Ouais. Oui, donc je prends 10. Ouais. Ah ouais, mais je te... Ah ouais. Ah ouais, je suis condamné à faire un truc, en fait. Prochain tour, quoi. Oh, la sauce. Alors. Oh, c'est la sauce. Bah, c'est à toi. Allez, hop. Ah bah, tiens. Il est l'heure du tuer. On va faire aller des niveaux. Oh. Est-ce que tu sais lequel je vais mettre, là? De toute façon, tu peux pas attaquer avec... Tu pourras pas attaquer. Ah ouais, mais non. Ah non, ça va pas marcher, en fait. Mais non, parce que j'ai pas de quoi payer le coup. Mm-hmm. Ah, j'ai pas de quoi payer le... Bon, allez, je vais le mettre quand même. Allez, c'est parti. Au moins, il sera là. Parfait. On va sortir un petit renoncé. Wow. Donc là, tu vas l'invoquer, sacrifier le renoncé. Et tu vas prendre le contrôle. Alors, il faut payer 10 de magie. Je suis à 7.
Tu vois, c'est 10 de magie pour faire l'effet. Ok, il a vu que je voulais invoquer Obélisque, il s'est dit... Voilà, du coup, je vais le mettre bien ici, tu vois, bien en retrait, comme ça, normalement, il va être pépère. Hop, peux-tu renoncer ici. Hop. Là, du coup, j'ai pour un deuxième lancé. Ah, c'est la sauce. Alors, en fait, j'ai pas assez de mid-range. Mais bon, ce niveau 2, ils sont pas intéressants, en fait. Et du coup, je vais déclarer mon attaque. Sur qui ? Sur le Monster Lord. Et oui, en plus, il y a un truc que t'as pas fait. C'est que tu peux attaquer avec lui, là. Oui, mais tape qu'à 10, tu défends. Ah, mais ça peut te faire perdre un... Bah, vas-y, j'ai 8 points. Bon, allez, vas-y, si tu veux. Vas-y, non, je me suis rajouté un point. Vas-y, hop. Voilà. Okay. Comme ça, moi, j'ai défendu en plus. Ah oui, le Monster Lord peut attaquer. Et oui, il attaque à 10. C'est mieux que rien. Bon, il défend pas. Ah oui, j'avoue que ça peut permettre de... Ouais. Ah. Bon, je suis obligé de faire un niveau 3, parce que là, il faut vraiment que j'invoque, en fait. Alors, où on peut se procurer le jeu ? Alors, sur eBay pour 1000 balles, si tu veux. Voilà, si... Et encore, je crois que t'as et pas encore, tout. Et encore, t'as le set de base, quoi. Si tu veux, hein, mais tu peux. Non ! Sinon, après, si t'as l'âme d'un bricolo, tu peux venir sur ma chaîne et le créer toi-même pour toi et tous tes amis. Voilà. Du coup, 2 pièges et 2 d'attaque. Les 3, ça veut pas sortir hein, chez toi. Hein. Je sais pas ce que... Combien de pourcents, normalement ? Alors, les 3, il me semble que c'est genre aux alentours des 20%. Ah ouais, c'est dur, quand même. Aïe. Bon, bah, j'ai perdu. Ah oui, parce que t'arriveras pas à le vaincre. Bah ouais. Bon, vas-y, viens, on reduelle là. Allez, hop. Aïe, 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 aïe. Encore une victoire. Moi, ce que je te propose, en fait, ouais. Je trouve que. Choisir. Oh, pardon, excuse-moi, j'ai complètement pris et regardé. Non, t'inquiète. Je trouve que. On n'a pas assez de monstres. Que là, dans ma stratégie, j'avais des monstres pour contrer tes stratégies, mais pas celle-là. Et du coup, bah, juste. Je suis obligé de tenter les gros monstres, et si ouais. Ça passe pas, bah. C'est ça, c'est... C'est dur, quoi. Ouais, c'est compliqué. Après, si tu veux, là, pour éviter... on peut se faire des petits decks à thème, si tu veux. Genre, par exemple, on fait dragon contre guerrier, ce genre de choses, tu vois. Moi, je suis chaud de jouer à 15 cartes. À 15 cartes ? Alors là, je mais transgresse coup, les règles, là. Alors, ok, mais on aura quand même que 10 pièces, alors. Que 10 pièces ? 10 pièces de donjon. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y aura 5 cartes qu'on oui, pourra pas sûr. Jouer. Bien sûr. Ouais, ce coup, ça me va, hein. Bien sûr. Pourquoi pas. Allez, hop. De toute façon, il n'y a que 10 qui peut être sur le terrain, donc ok. Allez, vas-y. C'est parti. Je te propose... On va faire 15 aléatoires, on distribue. Je sais pas, comme tu le sens. Moi, j'aurais drafté. Ouais. J'aurais drafté et... j'aurais drafté 3 à chaque fois. Ouais. Et j'aurais fait... Attends, il y a combien de cartes en tout ? 5 ans ? Bah si tu enlèves les objets, il y a à peu près il y a à peu près 50 monstres, je crois, à peu près. Mmh. On va dire que les objets on les enlève. Parce que moi j'aurais fait 15 drafts à 3. 15 drafts à 3. Ça veut dire qu'il faut ouais, c'est ça. Et comme ça on a le deck tout fait. Et on repasse pas derrière. Ça te va ? Okay. Vas-y, on teste. Je suis en train de Allez, c'est parti. Hop là, vas-y, je te laisse lancer le dé. Ouais. 3, mais c'est pas vrai. Ah ! Allez, je prends la... Tu prends la main ? Ouais, je prends la première. Oula, je vais essayer de pas les abîmer. Bon allez, la première draft, hop. Makuba Zenithal. Makuba Zumomax. Hop là, 1, 2... Et 3. Qu'est-ce que tu prends ? Allez, on va prendre Kuribo. Hein. Tu prends Allez. Kuribo. Ouais, on va prendre moi, Kuribo. Je prends l'Alligator Toon. Allez, hop. C'est à moi de choisir ouais. Maintenant. Ah là, il y a un choix aussi. Pareil, mais la draft d'avant, c'était exactement le même choix qu'on avait eu. Je crois. Zul, la carte sur la gauche est un tout petit peu coupée. Est-ce que tu peux genre dézoomer un tout petit peu pour que les gens puissent voir un peu ? Merci à toi. Ah,
Zoé. Dans le chat, ils demandent s'ils ont l'autorisation de poster le lien du Discord. Oui, de DM. Les... On peut pas poster le lien sur mon, ah, sur mon live. Bon. Je vais prendre... Allez, hop. Allez, hop, c'est parti. C'est à toi de choisir, rien. Oula. Oh, oula. Oula. Allez, on va prendre le chevalier Gaïa au cas où t'as des vols. Pour ce tour, c'est mon tour et le tour adverse ? Oui, quand il dit... oui, quand il dit oui, c'est un tour complet, ouais. Marrant, c'est un truc de défense et il a que 10 de défense, quoi, genre. C'est ça, c'est un peu... C'est les choses. Il a des bonnes capacités, quoi. Ok. Ah, il est que niveau 1, en fait. Ouais. Oh, pardon. C'est à toi. C'est à moi, ouais. Ouais. Le loup, le loup fleuri, il est cool, quand même. Allez. On prend le loup fleuri. Et toi ? Allez, le cimetière. Je veux pas... après, ça fera un peu trop de... Oh, c'est à qui ? À toi. C'est à moi. La petite sphère de tonnerre. C'est pour moi. Je vais prendre le centaure féroce. Une, deux et trois. Ensuite... là, du coup, c'est toi qui choisis. Je dis pas de... Ah ouais, choisis pour les trucs nuls à chier, moi. Ouais. Alors, ce sont des cartes custom. Il y en a des cartes officielles, mais bon, c'est soit en anglais, soit en japonais. Il n'y a jamais eu de carte officielle en français. Mais tu vois, ouais, le problème, c'est que le Kaiser Isolant, insolent, pardon, ouais, il est niveau 2, bête, comme lui, et il a juste moins de stats, quoi. C'est ça. Mais c'est-à-dire que si tu fais un deck bête, par exemple, bah tu, ah, t'as tu sais, de... voilà, t'as, comme t'as besoin de monstres bêtes, bah voilà. D'accord. Et là, bah putain, lui, la tunnel, il est peut-être cool, mais bon. On va s'en passer. Oula. En plein. Oh. Ah, j'ai... C'était à qui de choisir ? Je crois que c'est à moi, ouais, là, c'est à moi. Vu que t'avais choisi pour les monstres de tout à l'heure. Oh, peut-être qu'il aime bien, lui. Bah en soi, je trouve que c'est un petit monstre. Il a, franchement, il a tunnel. T'as lui, il a pas vol. Bah en soi, il a pas vol, mais bon, il a 60 PV pour le tomber. Ce petit, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, lui, lui, par contre, il est, il a rien pour lui, malheureusement. Hop. Oh. Alors, magicien du temps. Là, c'est moi qui choisis. Ouais. Ah ouais. Pour moi, t'as pas de vol, donc on va partir sur le magicien du temps. Moi, je commence à avoir pas mal de monstres au niveau 1. Ça commence à monter un peu. Hmm. Ah, lui, il manque toujours une dame harpie, hein. Alors, la chaîne YouTube, c'est la chaîne Oja Manoir. Voilà, c'est comme... c'est Oja Manoir, c'est attaché. Voilà, vous retrouverez tout le contenu des DM dessus. Et le lien du Discord dans la description. Quand c'est marqué 3, c'est 3 du même... Alors quand il y a marqué 3 avec un rond, ça veut dire que tu payes 3 de ce que tu veux. D'accord. C'est-à-dire que, admettons les compteurs pièges, t'en fiches un peu, tu payes 3 de... Lui je crois qu'il fait un peu comme la magicienne, sauf que c'est de la défense. Peut-être je crois que c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Vas-y. Bon. Riper, Riper. Du coup là c'est toi qui choisis. Oh. Oh bah alors là. Oh. Ouh. Hmm. Ah, le ninja il est fort. Le ninja il est fort. Christiane, hein, évidemment. En plein. Ah, objet. Il y a des trucs lourds. Hein. On va prendre un petit chevalier. Ah, c'était à moi de choisir. Tant pis. Ah. Pas grave. Non mais attends, c'était au tour d'avant, c'est pas grave, tant pis. Ah on s'est trompé à quel moment? Mais c'est pas grave, je vais re-choisir deux fois l'affilée. Ah d'accord, mais là c'est, parce... là c'est moi qui ai choisi en première? Je sais pas. Parce qu'au tour d'avant c'est toi qui avais pris... Non mais il y a un tour où on a dû faire deux fois, pas ah, grave, prochain tour et le tour suivant je vais choisir. Et oui parce que là t'as... le tour d'avant t'avais choisi le ninja en premier. Du coup là c'est le jeu, là je choisis... Bah vas-y je choisis deux fois d'affilée.
35. Je vais prendre ça. Allez, d'accord. Du coup, là, tu te laisses choisir. Oh. 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 C'est le meilleur tirage. Ouh là là. Non, mais je suis obligé. Oh, bah alors là. Alors là, lui. C'est lui, à toi, là. Lui, il vient à la maison, lui. Oh. Non, mais non. Mais il a levé. Là. Hop là. Allez, on part sur deux dieux égyptiens dans le set. Ah. Lui, c'est un tank un peu. Ah. Lui il est bien, mais c'est beaucoup de niveau 3 quoi. Et hop. C'est toi qui as choisi tout à l'heure. Ouais, j'ai choisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il reste 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 13. 13. Là, là, c'est... Ouais, il reste 2 choix. Là, du coup, c'est toi qui choisis. Oui. Oui, parce que j'ai choisi Slipher à la dernière. Vas-y. Ah oui, il y a ça. Tu vas me le laisser? Ouais, bah non, je suis obligé de te le finir. Vas-y. Alors attends, je veux juste capter les niveaux. Bon, allez, capter n'importe. Ok, et dernier tirage, ça va être à toi de choisir. Tu vois, ça tombe pile bien. Bah écoute. On va prendre. Est-ce que j'ai des vols ou pas? Bon, allez, on va prendre le dragon noir aux yeux rouges. Dragon noir aux yeux rouges? Allez. Il a vol, lui? Oui. Là, je vais prendre le lutin sauvage et je vais te souhaiter bonne chance parce que cette fois-ci, je compte bien gagner. Okay. On prend des objets ou pas? On prend 2 ou 3 objets? Du coup, là, on va avoir 15 cartes, ça? Ouais. Ah ouais, on a 15 cartes chacun là. Ouais, on va. Comme tu veux qu'on. Bon, 2-3 objets, moi ça me va. C'est-à-dire qu'on fait un 7 à 18? Ouais. On se dit 3 objets? 3 objets. Allez, 3 objets vendus. Allez, un petit 7. Vendu. Allez, vendu. 3 objets vendus. Vendu. Ah oui, t'as peut-être pas tous les trucs. Là, t'as tous mes objets, je crois, en main aussi. Vas-y, tiens, prends ce que. Non, attends. Non, mais c'est juste que là. Vol is the new prank kid. Hop. Vortex, brouilleur, on est là. On va très bien. C'est la bombe, la zone. Est-ce que les objets ont des niveaux aussi? Genre ça, c'est niveau 4, quoi. Ouais, et c'est le seul objet niveau 4. Donc, si tu le mets. Ouais, tu sais. Il y a une stratégie que j'ai fait une fois. Le mec, il avait mis des monstres vol de partout. Vraiment, il avait rempli tout. Je tentais que le début, depuis le début de la game, je mettais que des dés niveau 4, des niveau 4, des niveau 4. J'ai mis la bombe devant Yugi. Il est allé. Et là, tout. En plus, il est obligé d'y aller. Bah, en soi, oui. Et du coup, c'est passé. Franchement, ça m'a régalé. Hop, et voilà. Ok, donc là, on prend un de chaque. Voilà, et je vais le voir texte en deux. Hop là. Allez, 3 objets. Et eh bien, bonne chance à toi. Bonne chance à toi aussi. On va partir. Ok. Allez, c'est bon. Ok. Alors là, nous avons 18 cartes. Je te laisse jeter les dés pour savoir qui commence. Ça marche. Mais là, je suis abonné aux deux. Facile. Allez. Voilà, et je vais donc prendre la main. On va remettre nos compteurs. Ouais. Hop là, et je vais te souhaiter une bonne chance. Et bonne chance à toi aussi. Je vais lancer un dé 2.
Et cette fois-ci, je vais te laisser aucune chance. Je vais gagner 2 de déplacement, 2 d'attaque, et c'est tout. Ça rend fou. 2 d'attaque. Et 2 de magie. Et 2 de magie. C'est à toi. Alors. Zoul mon cœur, ouais, bien vu. Putain, j'ai le seum, j'arrive pas à invoquer, quoi. Bah écoute, hein, niveau 1, let's go. Ouais. Une invocation et un déplacement. Hop. Petite invocation 1, on est parti. Là. Bah écoute, on va mettre. Qu'est-ce qu'il met ? On va mettre. T'as pas l'habitude de jouer avec autant de cartes ? Non. Ah, c'est cool. Ça tente des trucs et tout, c'est. J'aime bien. Bon, on teste. J'aime bien ça. Hop. Dikuribo. Ok, tu peux relancer, non ? Ouais, bien sûr. Ouh, 4 wow. Défense. Pour des dés de niveau 1, ça c'est un bon lancer. Ouais, j'avoue. Parce que là, tu peux très bien refaire 3 niveau 1. Ouais, et du coup, rien à voir. Ouais, quoi. C'est ça. Oh, une triple invocation. Allez, ça y est, enfin mon niveau 3 là. Ouais. Qu'est-ce que je vais mettre ? Qu'est-ce que je vais mettre en niveau 3 ? Qu'est-ce que je vais mettre en niveau 3 ? Je vais mettre le dragon de compagnie de Damarfi, il est là ! Il est là ! Yes ! Et... On peut là. Paf ! Et c'est à toi. Ok. Alors, on va partir... Tiens, allez, on va partir sur des niveaux 3. Il est beau. Le dragon de... Oh, c'est mon bébé ! Bon, allez, pas de niveau 3 pour le moment. On désespère pas. Ouais. Ouais, c'est le jeu des monstres DD, ouais. Pour ceux qui y arrivent. Alors, 2 attaques... Et 2 pièges. Voilà. Bon. Attends. Il faut savoir que ça, j'y ai pensé. Enfin, faire cette émission-là. Ouais. Depuis le tout début de Club Yu-Gi-Oh, je m'étais dit, ouais, ce serait trop bien. Puis j'avais regardé les prix du jeu et j'étais, ah, mais en fait, je connais rien et tout. Et du coup. Oh. Oh, une deuxième invoque de niveau 2. J'ai le droit de pas la faire et tenter le. Oui. Tu, là-bas, mets ton petit compteur d'attaque. Non, mais je vais juste le faire. Je vais vraiment juste le faire. Ok, ouais. Vas-y. Un monstre de niveau 2. Un monstre de niveau 2. Et je vais faire le dragon bras d'épée. Oh. Le dragon... Hop là. Bon, gros, quand il arrive, lui... Il est costaud! Ouais, il est costaud! Kuribo, il est en train de baisser les yeux là. À toi. On va retenter les niveaux 3. Attends, je l'ai fait qu'une fois, non? Ah, c'est possible, ouais. Ouais, vas-y. Je l'ai fait qu'une fois. Ah bah, 2 déplacements. 2 déplacements. Attends, je vais l'avancer du coup. Donc je perds 2. Les niveaux 3. Ça perd. Non, c'est eux. Ouais. Yep. Allez. Mais par contre, c'est incompréhensible pourquoi ils ont pas mis des couleurs identiques au dé. Bah alors, en fait, dans le set anglais, ils ont la couleur. D'accord. Identique au dé. Dans le set japonais, non. D'accord. Alors après, la raison de pourquoi. Merci Dodo. C'est la raison, je saurais pas dire. De dépassement. À toi. À moi. Tu fais tant des niveaux 3, toi. Et moi, je vais prendre les deux. Ah, les deux, ils sont là. Quoique, je vais faire les 1. Là. Les 1 ! Et c'est... Oh, oui. Je croyais que c'était une double. Non. Là, t'as une invoque 1 et un... Bah, je vais faire mon invoque 1. Je vais faire mon invoque 1. Je vais faire le Gear Giant X. Le Gear Giant. La force.
Gyrgolem, pardon, la forteresse mobile. Oh, oh, il est trop stylé, lui. On dirait un truc dans un Kinder. Ouais. En vrai, il est trop beau. Il manque... comment dire? Il manque de la peinture, mais il est beau. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que un monstre qui a tunnel, mes autres monstres peuvent le passer dessus? Dans tous les cas, tu peux traverser tes monstres. Hein. Ah, d'accord. Okay. Dans tous les cas. C'est, tunnel, c'est que pour passer à travers mes monstres à moi. D'accord. Oh. J'arrive, Quentin! Et je vais me mettre 1. Je vais me dépasser de 1. Okay. J'ai lancé deux fois. Non, tu relances. Ah ouais, c'était mon premier lancé 1. Ouais. Oh, ça c'est bien. Un bon lancé 1, ça. Ouais. Enfin, un bon deuxième lancé 1. 4 de défense. Pouah, trop bien. Oh là là, oh là 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 là, regardez, j'ai déjà le contrôle du terrain. Quentin, qu'est-ce que tu vas faire? Bah écoute, on va s'adapter. On va mais tu vois, le fait que t'aies plus de cartes en main, tu peux plus facilement t'adapter. C'est vrai. Franchement, c'est vrai. Tu peux le dire. C'est cool parce qu'en vrai, en temps réel, tu peux modifier ta stratégie. Ouais. Non, c'est dommage que les dés ne se déplient pas. Ah ouais, bah. Alors, je crois que techniquement aussi, ils se déplient, non? Techniquement, si ils se déplient. Alors, ces dés-là, techniquement, de base, ils peuvent se déplier. Sauf que c'est vraiment mal foutu, pour être honnête, parce que de base, je les ai reçus dépliés. Et en fait. Ça ne se reclipse pas. En fait, c'est juste une galère horrible. Du coup, ça tient là, mais sinon, ça peut pas se déplier. Et normalement, ça se déplie parce qu'il doit y avoir un monstre dedans. Sauf que même les monstres de base et tout, ils rentrent pas. Donc en soi, ça se déplie, mais c'est pour faire beau. Okay. Donc c'est pas une mécanique. Enfin, voilà quoi. C'est pas. Ce serait stylé, hein. Ouais, mais ça veut dire que les dés seraient comme ça. Ça dégueule. On aurait des gros dés, t'imagines un dé qui se déplie avec cimetière de mammouth devant, taille de la figurine. C'est gros, ouais. C'est un peu gros, ouais. Là, j'en suis niveau 3. Allez. Bah alors, Quentin, c'est la panne. Non, mais je suis vraiment dans la sauce. du coup, et un d'attaque. Oh, regarde avec lui, là. Il est costaud. Oula! Vas-y, ça dégoûte. Oula! Vas-y, ça dégoûte, frère! Oh. Il va niquer toute ma strat! Et il va invoquer Slifer! Le dragon du ciel! Aïe, aïe, aïe! Oh, gros, tu dégoûtes! Ah là là! Tu dégoûtes! Bah écoute. C'est trop bien, j'ai combien de déplacements parce qu'il lui faut 4 compteurs de déplacement pour se déplacer de 1, tu vois. Wow. Mais par contre, lui, il va pouvoir le passer à travers, donc il va pas m'arranger trop. Là, comme ça, je peux pas. Bon, bah écoute, ce qu'on va faire. Bah alors, on est sans défense. Ouais, attends, c'est... Voilà. Non, je peux pas comme ça. Ah. Bah alors, Quentin. Attends, hop, on va le mettre là. Voilà. Donc là, on va mettre le petit Slifer, le dragon du ciel, sur le terrain. Wow. Voilà. Pam, pam, pam. Le patron, il arrive, les gars. Voilà. Le patron, il arrive, il est là. Bon, vous venez de lire Slifer, donc maintenant, dès qu'il va invoquer un monstre, un piège en moins, il prend 10. Ah oui, mais t'as pas de piège. Oh, t'as pas de piège. Oh, j'avais oublié ça, t'as pas de piège. Il a pas de piège. Mais si, j'ai 6 de piège. Hein? Eh oui, c'est la magie que j'en ai pas. Mais j'ai 6 pièges. Oh, merde. Il a 6 de piège. Ouais. Je peux pas me défendre avec un jet de défense pour... Non, tu peux pas. C'est un effet... c'est inhérent. La défense, c'est que contre les attaques. Là, c'est un effet de piège. Ah là là. Vous pouvez plus montrer Slifer. Alors, il faut savoir que Slifer, je l'ai imprimé en 3D. Je débute un petit peu dans l'impression 3D. Moi, je le trouve... je sais pas si tu peux passer là, ils veulent le voir. Donc voilà, c'est un petit Slifer... Moi, je trouve que franchement, c'est tes premières figurines, quoi. Voilà, c'est mes premières figurines que je décide de créer moi. J'aimerais bien vous montrer Obélisque. Franchement, voilà. Slifer. Hop. Oh. Il se défend de combien, Slifer? 60. Il a,
Il est un. Il est à 60, 60, 60. Il est intestable. Ah bah là, il est. C'est un dieu égyptien, hein. Il est intestable, mec. Ah, merci. Et il a counter toute ma strat, là. Ah là, ça, là, c'est le lancer D qui fait plaisir. En plus, je crois que c'était mon premier lancer 3, non ? Là, j'en ai je un sais autre. Pas. Moi, j'ai lancé, moi, j'ai lancé des 3 toute ma vie, moi. 3 déplacements. Oh, c'est bien, ça, pour toi. Ah bah, je suis à 10. Tu peux le déplacer ? Allez, tu sais quoi ? Je vais enlever 8 compteurs déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le mettre là. Et attaquer ton Gyrgolem. Attends, attends, là il y a un match-up. Il y a un match-up qui va apparaître. Gyrgolem contre Slifer. Ah, le Slifer est de mon côté. Voilà. Hop là, donc hop, on enlève un petit compteur d'attaque. Ça fait plaisir, toujours. Bon, bah je vais peut-être pas défendre, hein. Ça sert peut-être à rien. Eh bien, ciao, bye. Je t'aimais beaucoup. Putain, il pouvait avoir tunnel, il pouvait avoir vol et tout. Bonne petite carte Gyrgolem quand même. Bah, c'est un petit couteau suisse sympa. Surtout qu'il a des statistiques pas dégueu pour un niveau 1. Donc, T'as perdu ton attaque ? Oui, je l'ai enlevé, ouais, le compteur. Ok, ok. Bon, bah écoute, c'est à toi. Alors sache que. Ah, apparemment, t'avais déjà lancé. J'avais déjà lancé ? T'avais déjà lancé deux fois. J'avais déjà lancé deux fois, c'était mon deuxième lancé. Le chat, soyez sûr de ce que vous dites. Hein. Oh. Ah, parce que c'est vrai que pour le coup, ça change un petit truc. Je confirme. Ah, bon, et écoute, c'est le retour de Gyrgolem. On replay. Alors reprends. Du coup, il était là. J'étais à 7. Du coup, j'étais à 7 de. Non, c'était à 6. J'étais à 7 parce que là, j'ai lancé. J'ai fait 3. Je suis monté à 10. Ah, d'accord, ok, ok. Voilà. Ouais, t'étais à 7. Du donc. Coup, là, je peux pas me déplacer. Regagne de deux un attaque. Je regagne. Ah, oui, ouais. Bien joué. Bien vu le chat. Parce oh que là là. Entre les deux lancés et tout. Ok. Oh, c'est pas la même game du coup. Non, ça change vraiment quelque chose. Là, il manque un compteur de déplacement et je l'avais. Bon, c'est quoi les trucs qui ont beaucoup de déplacement ? Les 4 et les 2. Ils ont les 2 en x2 déplacement. Après, t'as les 3 qui ont 2 phases déplacement. C'est. Les 4 et les 2 qui ont beaucoup En fait, les 4 et les 2 ont x2 en déplacement et les 3, ils ont 2 phases déplacement. Genre, une là, une là. Alors que les autres, c'est une seule phase mais avec x2. Donc en soi, bon. Non, mais je vais tenter. Les 4 et les 2, ils ont beaucoup de déplacements. Bon, du coup, ouais. Du coup, bon, Slifer, je vais le laisser là. Genre beaucoup, beaucoup Bah, ils ont. En fait, les 3, ils ont 2 phases déplacement de 1. Et les 2 et les 4 ont une phase déplacement x 2. Allez. Ouais. 4 pièges, c'est bien. 1, 2, 3, 4 et ouais. Un déplacement. Ouais, c'est pas ce que je veux. Je veux des déplacements. Oh, il a 23 oh. Et oh, enfin. Et deux pièges oh. Qu'est-ce qu'il va me sortir? Oh, il invoque 3, mon pote. J'ai peur. Il y en a qui disent, t'inquiète, Zul, on a menti pour te faire gagner. C'est vrai? Non, je pense qu'en vrai, il troll. Quand même, il y en a plusieurs qui ont confirmé et tout... Qu'est-ce que je peux invoquer à 3 Mais c'est pas tant de 3. De rien, hein. Zul. Ouais, merci à toi. Zul, il y en a qui disent Zul, sauve-le, allume la clim. Ça se voit tant que ça. Ah ouais. Enfin, j'avoue, je peux allumer la clim. Je suis un con. Mais non. Si, si. Mais non, faut pas dire ça. Attends, je vais juste allumer la clim en fait. Merci, Jean du chat, de prendre soin de moi. Merci à Zulu de prendre soin de moi aussi beaucoup. J'ai juste une clim et je l'ai juste pas allumée en fait. Ah, merci. Quentin. Notre projet. Notre. Hop là. Ah. Bon. Bah écoute. Ton truc il a vol 60-60. Ouais, bon, je le passerai jamais. Et là, je peux invoquer un niveau 3. T'as enfin un niveau 3. Premier niveau 3 ouais. Que j'invoque, non ? Non, t'avais fait une double invocation tout à l'heure. T'avais une triple invocation, pardon. T'avais 3 de niveau 2 que t'as pu... Je peux me déplacer, attaquer et me redéplacer ? Alors, tu peux... Non. En fait, c'est une attaque et un déplacement. C'est-à-dire que tu peux attaquer, puis te déplacer, ou te déplacer, puis attaquer. Mais pas... tu peux pas faire ça deux fois d'affilée. Le pauvre CD.
Ah là là. Oh, c'est chaud. Écoute, je vais jouer. Ouais, mais ton Slifer, il est embêtant, en fait. Il est embêtant, ton Slifer. Je suis obligé de faire soit ça, soit ça. Je vais faire le Centaure Féroce. Ok. Où est-il, ce petit centaure? Il est là. Un tour, c'est toi et moi ou juste moi? C'est... Tu parles de quel effet? De Kergolem. Alors, pour tunnel, c'est... alors, c'est un tour, c'est tous les deux. D'accord. Waouh. Le centaure, les gars! Oh là là, il a pas le temps, lui! En fait, ça servirait à rien de lui attribuer vol si ça se terminait à ton tour, en fait. Tu ferais que le... Ouais, ouais. Ouais, tu vois. Je vois. Bon, on va avoir des déplacements. Hein. J'ai combien de... Ok. Ça va contourner le Slifer. Alors, je vais jouer le centaure. Comment je peux le jouer? Qu'est-ce que je peux faire, là? Oh, c'est bien, ça. Oh, oh, le move, il est bien. Le centaure, il est là. Alors, effet de Slifer, on va enlever un petit piège. Okay. Il prend 10. Donc, mon centaure, il prend 10. Voilà, déjà. Moi, je vais faire effet du dragon d'Amarpi. Je vais enlever 2 de piège. Ouais. Et je vais enlever vol à Slifer. Ok. Je vais déplacer 2 mon Gergolem. Ouais. Et je vais lui donner la capacité vol en payant 1 de magie. Ok. Et voilà comment on bloque Slifer, le dragon du ciel, les amis! Eh ouais, parce que du coup, je pourrais pas l'attaquer. Maintenant, je vais faire 1, 2 et 3. Ouais. Et je vais tabasser Kuribo. 1, 2 et 3. Et je vais perdre 1. Et Slink! Petit Kuribo! Allez, Kuribo. Oh gros, ce move! À la niche. Ce move! Le body block de Slifer, le dragon du ciel. Ce move! Il est comment, Quentin? Il est bien. Il est comment, Quentin, ce move? Franchement, comment gérer un dieu égyptien? Voilà. Vous avez Professeur Zulu en face. Il vous apprend à jouer. Okay. Je peux plus bouger, je peux plus attaquer. C'est non. À toi. Alors du coup, tu déclares une attaque quand même sur le Slifer? Bah non. Parce que techniquement, tu peux l'attaquer quand même. Hein. Ah, je peux l'attaquer pour te faire consommer... Ouais, voilà, tu peux. Si tu veux. Bah... Allez, vas-y, j'attaque. Je perds 1 et tu défends avec 1, j'imagine. Ouais, allez, on va enlever un défense. J'en ai pas mal des défenses. Ok, pas mal, C'est à toi. Bon. Maintenant, il va falloir réagir. Move de 3ème année. Bonjour, professeur. Merci à toi, Anton. Par contre, nécessité 3 monstres. De quoi? Nécessité 3 monstres. Nécessité 3 monstres. De quoi? Non, 2 monstres, mon move. Mais ouais, bah, qu'est-ce que tu veux? Attends, il y a un dieu égyptien en face. Hein. Ouais, c'est pas n'importe... Ça n'empêche, Slifer, c'est le dragon du ciel. Il est face à un Gergolem qui a vol et lui, il est cloué au sol. Professeur Zulu. Ouais, tu sais quoi? Niveau 4. Oh, il est dans la sauce! Il est dans la sauce! Allez hop. Oula! Oh, ça y est, il perd ses moyens! Ça y est. Il perd. Non, mais s'il tente un niveau 4. C'est qu'il est giga dans la sauce. Moi, j'ai envie de le voir apparaître, alors on va le allez. Bon tu vas-y, rejette. De toute façon, pas grand chose d'intéressant. Du coup, 2 de déplacement, donc ça c'est pas mal. Je suis trop fier de mon setup. Alors 1 d'attaque, hop, et 1 piège, c'est bon. Ok, ouais, ok, allez. T'as 10 de déplacement alors que ton Slifer est body block. Ça serait la première win de Zul, peut-être. Alors, 1 de défense, 1 d'attaque. Attends, je vais pas me dépasser les... Et 1 de piège. Voilà. Eh ben écoute, Quentin. Du coup, là, évidemment, Slifer, il a pu vol. Parce que tu me l'as fait avec ton dragon. Ouais. Donc, techniquement, je ne peux pas attaquer ton Gergolem qui a vol. Oh.
accélérateur, mon pote. Bon, j'ai combien de magie? Zéro. Bon, ok, mais même mes atouts, je peux pas... Même mes atouts, c'est chaud. Bon, allez. À toi. Donc là, là... Attends, qui c'est qui... Attends, allez, j'en ai bien, qui peut me sauver de la sauce. J'ai confondu les PV. Donc là, tout repart à zéro. Hein. Slifer à vol. Le tien n'a... Ouais. N'a... Ah ouais, mais là, j'ai pas de magie. Hein. Ça craint. Ça craint. J'ai fait que stack des... J'ai que lancé des dés de niveau 3. Et sur les dés de niveau 3, il y a piège x2, mais il n'y a pas de magie. Donc comme il n'y a pas de magie... Ben en fait, mes monstres... vous savez, les monstres un peu pétés de tout à l'heure, ben en soi, ils sont inefficaces. Donc là... Attends, faut que je réfléchisse, là. Là, c'est compliqué. Ah, mais c'est bon, là, maintenant, avec la clim, ça va beaucoup mieux. Je vous promets. J'avoue que je suis désolé. Non, t'inquiète, t'inquiète. J'ai une clim chez moi, mais... Voilà. Ah ouais, mais il y a... Ah ouais, bon. J'ai combien de déplacements, moi? 3. Ce qui est pas beaucoup. J'abandonnerai pas. Ils veulent que j'abandonne dans le chat. Mais non. N'importe quoi, j'abandonne jamais. Mais non. Il peut se passer des choses encore. Je vous promets. Putain, si je fais un 3, je te mets ta race. Mais... Tendu, quoi. 2 ou 3, le chat. 2 ou 3. Ah, ils disent 2. Allez. Oh. Waouh, il y en a... Oula. Il y a plus de 2. Il y a plus de 2 que de 3. Allez, c'est parti. Donne-moi un triple 3. Un triple 2. Oh. Oh non. 2 de magie. Ouais, et est-ce que tu fais ton invoque ou pas? Parce qu'autant, si tu les relances, tu peux avoir un triple 2. Hein. Regarde comment il est fait de temporiser. Ah, on sait pas. Hein. Non, mais... Non, mais... La porte, elle est trop belle. Je vais jouer le chevalier flamboyant. Ah là, je vais me faire... Oh, paf. Le Monster Lord, il va se faire attaquer 2 fois en un tour. Alors. Mais comment je... Attends, comment je fais? Je vais relancer. Attends, bah oui, attends, comment tu comment, fais? Comment je fais? Oh merde. Ah. Bah attends, capacité de Slifer. Il est gentil, ton chevalier flamboyant. Ouais. Mais je vais quand même enlever un petit piège. Ouais. Et il va quand même prendre 10. Ok. Donc le centaure et le chevalier, ils ont moins 10 tous les deux. Ouais. Donne-moi des déplacements. Oh, bah oh non. Mais si, t'as de la magie. 1, 2, 3 et 4. Alors, je vais utiliser la faculté de mon dragon de compagnie d'Amarpi. Je vais perdre 2 pièges. Je vais clouer au sol ton Slifer. Je vais jouer la capacité de Gyrgolem pour donner vol pendant ce tour à mon Gyrgolem. En perdant, pardon, 1 de magie. Ouais. Ensuite, il me reste... Oh, je vais avancer ça. 1, 2 et 3. Ouais. Le centaure. 1, 2 et 3. Oh, t'en as plus de déplacement. Et je vais taper... Schlink. Allez, un petit cœur en moins pour moi. Et un petit cœur en moins pour toi. Bon, alors, ok. Là, tu sais que t'aurais eu... Allez, 2 de déplacement en plus. Là, tu le mettais là, tu m'enlevais 2 cœurs en un tour. Ah bah ouais, là, c'était gagné. Là, bon. Si j'avais 2 de déplacement, bon, j'avais gagné. Allez, bah écoute, là, on va devoir tenter le tout pour le tout. On va lancer les dés de niveau 2. Je vois pas comment tu reviens, en fait. Bah, j'ai un monstre qui peut peut-être m'aider. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est ça. Oh, c'est, ça, peut-être c'est bon le lancer, comeback. Ça. T'as un Gyrgolem. Gyrgolem, c'est Ronflex, mon pote. Il est là en mode... Non. Putain, je veux trop un fanart de Gyrgolem en train de gérer Slifer. C'est magnifique. Gros. Alors franchement, c'est strat avec les deux là. Franchement, ça rend fou. Il a combien de PV et de défense, ton petit centaure? Mon centaure, il a 30 de PV. Oh. En fait, il a 40 moins 10. 30 d'attaque et 20 de défense. Ouais, je le vais. Bon, ok. Donc, je vais mettre le lézard explosif. Oh, on va mettre le lézard explosif. Et le lézard explosif, on va le mettre... Oh, t'as chaté de ouf, toi. On va le mettre ici. On va le placer et on va relancer des dés pour espérer tomber sur des magies. Il est là.
Oh, t'as chaté de ouf, toi. Du coup, là, attends, deux magies, je les ai mis, oui. Allez, là, tu vas me donner des magies maintenant. Tu ne peux rien faire face à moi. Je suis le Duke d'Evelyn de Dunkerque. Bon, alors, attends, je vais peut-être t'as faire des trucs. J'ai un flow comme ça, un peu, là, non? Je vais peut-être faire des trucs. Avec mon Monster Lord, je vais attaquer ton... Je vais attaquer lui, là. On enlève un petit compteur. Avec mon Monster Lord Lui, là, le petit poteau qui est ici, j'attaque à 10. Est-ce que tu défends? Sachant qu'il a 30 TV. Oui, je défends. Okay. Je défends et... Je perds. Okay. Bon, alors ce qui va se passer... Attends, j'ai combien de déplacements? Oh, j'ai 10 de déplacement. Bon. Alors, attends. Bah, écoute. Aïe, c'est... Oh, tôt. Regardez oh, c'est ce terrain... Dur. Parce qu'en vrai... Putain, lui, là, il fait le taf, là. Le dragon de compagnie d'Ava... Il est devant mon mec, et il est là en mode... Cliffer, couché. Girgolem. Mais tu sais que là, je pense que si t'as deux déplacements lors de ton prochain tour, t'as gagné, en fait. Mais bien sûr. Et ouais, mais le truc... Ah là là... Bon, bah écoute. Mais tu sais quoi? Vas-y. Joue. C'est quoi qui donne le plus de déplacements? Bah, les deux, alors, les deux, ils ont x2 les deux non, et 4 ont x2 déplacements, et les 3, ils ont un déplacement. Je vais faire 3 et je vais invoquer mon niveau 4, tu vois. Pas de déplacement, tu prends pas de déplacement, tu prends... Oh, t'en prends un. Un déplacement. Putain, pas deux. Le suspense putain, est là. Pas deux. Et Clifford deux couché. De piège. Oh, c'est parfait, les deux de piège. Allez, un déplacement. Non. Et ouais, c'est la victoire. Un déplacement. Lance pas ça. Et je détruis le champion régional de Montpellier. Lance pas ça. C'est les championnats du monde ici, je le rappelle, la move de troisième année. Mon duel égyptien. Un déplacement. Yes. Mais t'as une invocation. C'est l'invocation de niveau 3. Mais attends, non, c'est bon, tu me finis pas là. Non, là tu me finis pas. Alors attends. Oh. On se sent soulagé d'un coup, mais ça veut dire qu'au prochain tour, j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Il faut que je chope des déplacements. Là, y a pas... Là, c'est déplacements. Il faut vraiment que je chope des déplacements, là. Qu'est-ce que je dis? Il faut que je chope des magies. Des magies. Mon petit lézard explosif, il a de quoi faire péter les monstres que je veux. Ouais. Oh, toujours plus. Là, en plus, il m'a mis dans un enclos. Il faut le remarquer que là, en fait, pour matérialiser un monstre, en soi, je peux aller là, mais... Ok. Oh non, j'ai plus le S. Ouais. Oh, j'ai le seum. Attends, il y a un moment où... Tu n'as pas le ninja qui utilise 3 déplacements pour un mouvement. Ah oui, tu parles à Zulu. Comment? Quand un Cipher n'est pas bloqué. Pourquoi Cipher ne serait pas bloqué? Cipher, il était bloqué tout à l'heure. Ah non, mais là, je l'ai pas bloqué pour l'instant. Non, c'est qu'il là, il va le faire. En fait, quand il fait ses capacités, ok, ouais, c'est bon, ça passe là. Ouais, mais allez, le problème, c'est que mon... Ouais, tu peux le mettre en long comme ça. Ouais, mais je m'en fiche, en fait. Ce que je veux, c'est tes points de vie. Ah, non, je pense pas que tu puisses les avoir. Je pense pas. Attends. On va faire par élimination. Là, ça me donne rien. En fait, il y a le gardien là qui... Là, c'est, je dirais c'est ok. Non, j'ai pas accès. Cipher a une case. En fait, si j'avais ça. Oui, mais c'est pas pour autant que. En fait, ses effets, il les fait à distance. C'est-à-dire que. Si j'avais ça. Ah non. Ça me donnait rien. Non, mais pas de regret. Bon, un niveau 3, je fais quoi? Mais attends. Quoi? De quoi? Je viens de capter un truc. Quoi? Bon, tu le diras après. Oula. C'est quoi? Alors, je sais pas. Je viens de capter un. Vas-y. Oh, mais pourquoi je l'ai pas capté avant? Oh, mais je... Oh là là. Oh, il y a une... mais non, c'est pas... C'est ça, mais c'est pas ça. En fait, il... Oh, il y a une case, il peut passer depuis tout à l'heure. Oui, mais à chaque fois... Bon, bref, tu vas voir. Tu vas comprendre. Enfin, vous allez comprendre ce qui se passe. Réfléchis. Il y a un petit truc à savoir. Oh. Je suis désolé, hein, je prends mon temps, mais c'est un tour important qui peut déjà être décisif.
C'est ça. Ouais, j'ai plus assez de... De bonnes... Ouais, ça marche même pas, ça. Non. J'ai plus assez de bonnes... Non, bah je vais être obligé. Putain, mais je suis sûr qu'il y a moyen de... Oula. Oh, yaya, qu'est-ce qui... Attends, j'ai combien de déplacements? 1, 3... Pourquoi il rit, lui? Pourquoi il rit? Non, mais il y a un truc obvious, je regarde pas le chat parce que je veux pas me faire spoil, mais... Bon, je vais faire ça. Pourquoi tu ris? Non, mais tu vas moins rire, t'inquiète. Je vais jouer le dragon magicien! Ok, bon, ouais, ok, je vais mourir. Le dragon magicien! Vas-y. Peux-tu me rappeler son effet? C'est lui, bah. C'est lui? Ouais. Mais c'est quoi cette petite merde là, genre? Bah ouais. Alors, le dragon magicien qui arrive. Ce monstre peut ajouter la défense d'un monstre adverse à la sienne. Oh putain. Aux F. Par contre, ce monstre peut détruire tous les monstres ou objets, les vôtres inclus. Mais le dragon magicien exclut dans un rayon de 3 cases. Voilà, donc en gros, si tu le fais péter là, tu pètes Slifer et Gergolem. 1, 2, 3. Non, mais des rayons de 3, c'est-à-dire la zone autour de 3 qui est là. C'est-à-dire que là, par exemple, 1, 2, 3. Du coup, là, diagonale 1, 2, 3. Du coup, si tu vas faire péter, genre là, là, en fait, c'est vraiment une grosse zone tout autour. Je déplace de 1 et là, je. Tu fais tout péter? Et je fais péter, du coup, que Slifer. Bah non. Non, il est dedans. Attends. Là, il est dedans, lui. Et là, en plus, en faisant ça, tu le pétais lui aussi. Attends, je comprends pas. Tiens, regarde, si tu veux, j'ai un petit schéma. Parce que ce monstre, il est un petit peu relou. Mais il y a un schéma qui est dans le livret de règles. Ouais. Alors. Hop, je vais te montrer ça. Je l'avais pris. Non, mais il vole pas la def, il ajoute. Voilà. En gros, c'est ça qui peut péter. Tu vois les carrés blancs? Attends, il pète tout ça. Je peux le montrer à la caméra? Vas-y, vas-y. On voit rien du tout. Voilà, bah c'est les petits carrés blancs. Là, il le voit un petit peu. En gros, il peut péter tout ça. Ah, ok, j'ai compris. Alors, voilà, en gros. C'est au 3 d'alentour. En gros, il fait ça. Ouais. Vas-y. Ah ouais, bah attends. Mais ça compris, hein, parce que c'est toujours à 3 en fait. C'est vraiment le tour autour de lui de 3. Voilà. Ouais, donc ça, comme ça en fait. Ok, bah attends, j'avais pas compris ça. C'est-à-dire qu'il est... Je vais juste pas le placer comme ça alors. Voilà. Et là je fais... J'enlève 3. Ouais. 1, 2 et 3. Et. Allez, Slifer. Plus de Slifer. Ensuite, je déplace de. Du coup, je vais juste te dire tout à l'heure. C'est qu'en gros, tu m'enlèves la capacité vol. Mais ça veut dire que tu m'enlèves aussi les points négatifs de la capacité vol. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu me déplacer. Ah non! Non, non, en fait, non, j'ai rien dit parce que c'est dans... Ah, tu pensais que tu pouvais te déplacer de 4 cases? En fait, je pensais pouvoir me déplacer de 1, mais en fait, pas du tout, parce que c'est... L'effet qui se déplace de 4, c'est inhérent à la carte. D'accord. Donc, non. Okay. Bon, en fait, non, il s'était rien passé. Bon, dire quelque chose... Ah ben non. Bon, ok. Allez. Et là, je vais me déplacer de 1. Ok. Et du coup, j'imagine que tu attaques avec ton petit... Et j'attaque avec mon centaure. Et tu peux m'enlever un petit cœur? Oui. Ça va être chaud, là, Quentin. Ça va être très chaud. Bon, en soi, même si j'ai pas utilisé la capacité de Slifer quand lui il est arrivé, c'est pas grave. Donc, si tu veux, je m'enlève 10. Hein. Ouais. Tu perds 1. Je pense 1. Pas que ça va changer grand chose. Non, mais si tu veux, vas-y. Tu perds 1 de piège, ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, hop. Et je perds 10. Ouais. Bon, allez. Allez, bonne chance à toi, Quentin. Alors là. Là, ça, il me faut du costaud. Il me faut vraiment du costaud. Si je veux. Il faut du costaud. Ouais. Oh, du gosbo. Allez. Oh. Une triple invocation. Oh, l'invocation niveau 3. Est-ce que. J'ai combien de magie? Oh. On verrait. Est-ce qu'il peut faire un truc? Il a combien de. Merde. Bon, attends. Par contre, moi, je suis unanime. Je trouve que le jeu est beaucoup mieux quand on a plus de cartes dans le deck. Ouais.
Parce qu'on a plus de solutions pour s'adapter. Et c'est ça qui est marrant, c'est de trouver des contres. Pas juste perdre parce que t'as pas la bonne carte, quoi. Bah alors là, là je vais faire un truc que j'ai... Bon, tu vas voir ce que je vais faire. Ouais. La magicienne des ténèbres. Est-ce que tu pour gagner de la magie... Oh là là. En fait, c'est pas once per turn. L'effet de gagner de la magie. Hein, ça veut dire que là, ce qui va se passer, tu vois, tous mes compteurs. Oh. Bon. Et... Oh, il va relancer le match. Alors, il y a un petit truc. C'est que c'est le dernier monstre que je peux invoquer. Hein. Pourquoi? Ben regarde. Oh, oh je l'ai. Oh, c'est le move de troisième année ici. Attends, est-ce que là, je peux encore en mettre un? Attends, je peux en mettre un. Oh, oh, ce move. Oh, putain. C'est giga chaud. Non, je peux pas le faire comme ça. Quentin, ça fait quoi de te faire rouler dessus par un première année alors que t'es un troisième année? T'inquiète. Alors que t'es champion de Montpellier. Ouais, Quentin. Quentin, t'as fait 7 heures de train. T'as invoqué Slipher. Je l'ai bloqué avec un caillou. Et je l'ai explosé avec un dragon. Allez. Bon. T'as fait 7 heures de train. C'est le mec qui l'a vu. Bon, allez, la magicienne des ténèbres, maintenant tu vas devoir me sauver la vie. Viens là. Tu vas te mettre ici. Bon, je peux plus. Voilà, c'est bon. Du coup, là, je vais relancer les dés. Tiens, donnez-moi des compteurs magie. Bon. Oui. Oh. 4 de magie, c'est parfait. 4 de magie, là. 1, 2, 3, 4. Ouh. Bon, on va faire le ménage. Là, mon lézard explosif, il a du taf. Déjà, je vais enlever. En fait, t'as un joli combo, hein. Ouais. Là, les deux ensemble, c'est trop bien. Bon, déjà, je vais enlever les magies que j'ai déjà. Donc, je vais en enlever 5. Pour péter le niveau 3 qui est ici. Déjà, 1, 2, 3, 4, 5. Non. Allez, hop. Le centaure féroce. C'est pas fini. Je vais utiliser la capacité de la magicienne des ténèbres. Donc en fait, c'est je paye. Donc en fait, la magicienne des ténèbres, pour j'enlève 2 compteurs, n'importe lesquels, et je gagne 1 magie. Donc là maintenant, ça va enlever des compteurs magie. Donc attends, combien j'ai... Alors les pièges, je vais enlever 4 compteurs pièges pour gagner 2 magies. Vas-y. Alors on va enlever 1, 2, 3, 4. Oh, ce move. 1, 2. Bon là on passe à 3. Donc là je... T'as besoin d'avoir combien de compteurs? Alors là, en fait, pour détruire lui et lui qui me pose problème, ben je vais devoir... on y va. Là du coup je suis à combien? Je suis à 3, il m'en manque 1. Je vais enlever 2 d'attaque. Non, 2 de défense. J'enlève 2 de défense pour gagner... Un de magie. Hop. Du coup, là, je suis à 4 de magie. J'enlève 4 de magie. 1, 2, 3, 4. Et je pète le chevalier flamboyant. Oh merde. Non, Golem, il était à la strict extrémité. Golem, il die pas avec. Là, il était hors du champ parce qu'en gros, ça s'arrête là et ça va là. Quoi. Ouais, j'avais calculé. Voilà. Je suis désolé, je me suis permis de rejouer parce que vraiment je connaissais pas cette info sur la zone. Hein. Non, mais non, t'inquiète. En soi, alors ensuite, il me faut 4. Donc, 3, donc il faudrait que j'enlève combien? 8. Bon, alors j'ai enlevé 2 défenses, 4 d'attaque, 2 défenses pour gagner 1 magie, 2. Du coup, 4 d'attaque, 1, 2, 3, 4 pour gagner 2 magie. 2 de déplacement pour augmenter la magie. Ok. J'enlève 4 magies. Et non, il est niveau 3. Bon, j'enlève 2 déplacements. Ok. Donc tu rajoutes 2 de... Bah, du coup, j'en rajoute et du coup, j'enlève pour péter lui. Wouah. Non. Eh mais ton lézard explosif, mon pote. Après, la combo est sympathique. La combo, elle est sympa, mais sauf que là, après, j'ai... Ah, mes cheveux. Genre, c'est... Là, j'ai plus rien, quoi. Je suis... Après, ton gear golem, moi, j'ai peur que tu... Tu sais, tu fais un lancer, genre, tu tombes sur 1, 2, 3... En vrai, tu sais, en un tour, là, tu peux me le... Donc, ce que je vais faire, c'est que, bah, écoute, hein, je vais pas prendre de risque. Je vais enlever... Il aura converti tout. Allez, hop, je vais enlever... Alors, 5 déplacements et un piège. 5 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5. Et un piège. Ouais. Pour gagner du coup 3 magies.
D'accord. Attends. Mais oui. il est niveau 1, mon Guirgolem. Voilà, du coup, j'enlève 3 magies. Et je pète le Guirgolem. C'est pas 2 ton truc ? C'est à 3. Ah, c'est à 3, ok. C'est à 3 eh pour bien, niveau 1. Guirgolem, non ! Tu m'as détruit 4 monstres, hein. Avec un seul monstre, hein. T'as le lézard explosif, il est giga fort. J'avais besoin de contrôler. Mais là, par contre, ouais, t'as payé 7900 points de vie. Là, t'es... Ah ouais. Il te reste un déplacement. Tu veux peut-être te déplacer. Bah écoute, non. À toi. Attends, je réfléchis. Comment revenir dans une partie ? Là, j'étais aux portes. Là, j'étais aux portes, là. J'ai envie de lâcher un ultime dragon blanc, mais on va pas faire ça. On va pas faire ça. Bon, après, t'as plus de déplacement, c'est pas mal. Il a combien de... C'est quoi les stats de ton lézard, s'il te plaît ? Alors, il a 20 PV, 10 attaques, 10 de défense. 20 PV, 10 attaques, ouais. 10 de défense. Et je sais que tu n'as pas le magicien du temps. Bon, tu l'es. Du coup, tu ne pourras pas le péter comme ça. Attends, mais qu'est-ce que... J'essaie de voir comment je peux rentrer, mais je peux pas, quoi. Bah, ici. Ouais. En soi, mais... Alors, qu'est-ce qu'on tape ? Qu'est-ce qu'on tape ? Vas-y, on va lancer les D2, hein. Allez. Ah, tu veux jouer ces deux-là ? Attends, les D2, tiens, c'est ceux-là. Je les ai là. Hop. Ok. Tiens. Allez, c'est parti ! Le Duke d'Evelyn de Dunkerque, il est là ! Bon, il est chauve, hein, par contre. C'est parti ! Deux de et une invocation de... qu'est-ce que je dis ? Une invocation de... C'est le lancer de dé parfait ! Oh. C'est le lancer de dé parfait ! Qu'est-ce que j'ai de niveau 2, là ? Mais t'as le ninja ? Attends. Ouais, mais il est niveau 3, le ninja. Ah ouais, mais... Mais tu sais que c'est ta solution, hein. Le ninja, il se déplace de 3. Hein. Ouais, mais j'ai fait niveau 2, là. Oui, mais pour peut-être après. Bon, là, après, il faut dire que j'ai plus de magie jusqu'à la fin des temps. Hein. Je vais jouer le loup fleuri. Oh, le vieux. Ah, mais si seulement, là, j'avais... J'avais un truc pour venir près de chez toi, hein. Non, mais vas-y, il faut que j'aille te mettre la pression, mais... Vas-y. Ah, si j'avais eu le ninja... Bon, alors déjà, je me suis mis les déplacements ou pas ? Oui, je pense. Ouais, ouais. Je me suis mis. Attends, ah, je vais oui, relancer. Oui, t'étais à zéro, ouais, t'étais à zéro. Je vais relancer déjà. Vas-y. Allez, donne-moi triple double déplacement là. Okay. Allez, et je vais saucer non. son lézard là. Non. Triple double déplacement, c'est parti, le Duke d'Evelyn de Dunkerque. Ouais. Mais là, tu montes au Monster Lord, t'as gagné. Non. Oh, double déplacement. Oh là 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 là. Ça me fait 4 de déplacement. Oh là 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 là. Ah, mais je peux pas. Du coup, tu fais pas d'invocation 2. Bah si, je fais... Ah si, le loup fleuri. Tu l'as placé ? Je l'ai pas placé, non. Ah, il est là. Ah oui, techniquement, je peux pas voir le... Là, ouais. tu peux... Oui, ça change rien. Ça change rien. Ça change rien. Waouh. Mince. Putain, j'étais vraiment deny à côté, quoi. C'est trop bien joué, t'es là un crack, quoi. Vraiment, hein. J'ai réussi à m'en sortir, je sais pas comment. Hein. Là, il faut que j'aille comme ça, hein. Et le loup fleuri. Oh, il est beau. Il est beau, le loup fleuri. Attends, mais il arrive. Attends, tu le mets où ? Attends. Là, c'est comme ça. Bah, t'as... Attends. Non, il est attends, là. Il te reste combien de... 1, 2, 3, 4. Bah, tu l'as. Ah, il te reste 5 cœurs. Bah, du coup, tu l'as. Allez. 1, 2, 3 et 4. Je dépense. 1, 2, 3 et 4. Je dépense 1. Et c'est la victoire! Je me serais défendu jusqu'au bout. Bien joué, Zulu. Bien joué à toi. Quelle partie. Aïe, 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 mais quel game! Eh, les gars, cette game. Vas-y. Est-ce que c'était pas la plus belle game de Dungeon Dice Monster que vous avez jamais vue de toute votre vie? Bon, vous en avez peut-être pas vu beaucoup. Bah, il y a l'animé. En vrai, tu t'es bien... Allez, franchement, la combo avec la magicienne et le lézard, elle était cool. En fait, je cherchais mes cartes en mode, je fais quoi ? Et là, j'ai vu ça, je me suis dit, mais j'ai besoin de magie. J'ai plein de compteurs, voilà. Donc, Ouais. Ouais, on a trouvé ça, hein, mais bon. Tracé. Bien joué. J'ai archi bien joué. Lourd. C'est archi lourd. Qu'est-ce qu'on fait, Quentin ? Parce qu'il est 21h déjà. Ça fait 3... Attends, ça fait, ouais, ça fait 3 heures. Ouais, ça fait 3 heures. Ça fait 3 heures de jeu, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Aïe, 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 aïe. Non, mais je crois qu'on va juste aller... Allez, graille, ça, les gens, ils sont là encore. Mais si je vous demande, bien sûr que vous allez me dire encore, tel le saltabank que je suis pour vous divertir, quoi. C'est bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, c'était une belle partie, hein.
Surtout qu'en plus j'étais complètement bloqué. C'est que là j'invoquais plus rien. Littéralement, j'invoquais plus rien. En gros, je terminais la partie avec les deux là. On a mis combien de temps pour tu es un troubadour. On a mis combien de temps à faire la last? À faire cette game là? Pas, je dirais 25 minutes. Combien? Pas 25 minutes. Après, j'ai pas la notion du temps. Je crois qu'on est sur une heure, mais. Ouais. Ouais, tu sais, moi tu me demandes de rejouer là, moi je rejoue. Hein. La game est... En même temps, si on refait une game, elle sera forcément moins bien que celle-là. C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait partir sur cette belle game, cette belle victoire de toi. Et tu sais quoi? On rejoue. Ouais. On rejoue, mais on garde le même deck. Comme ça, on fait pas la draft et ça va plus vite. Ouais. Ou sinon on mélange au hasard. On pourrait tout mélanger et on distribue. Même les objets. On mélange tout. Et on distribue. Et on voit ce qu'on fait. Allez, vas-y. Allez, let's go. Allez, let's go. On mélange tout. Allez. Allez, vas-y. Allez. Allez, on va s'en faire une last. Les objets. Parce que c'est vrai, Quentin, il a fait 7 heures de route pour venir. Et encore, hein, il a dû monter sur mon scooter sur la fin. Ah, il m'a fait visiter Dunkerque. C'est cool. Allez, hop là. Allez, la dernière game pour vous. Pour essayer de kiffer. Ça va, Soé en régie? Je sais pas si c'est Soé, je sais pas si c'est QC, je sais pas si vous êtes arrangé. Yeah, yes. Mais au pire, vraiment, give up et va te poser. Enfin, on s'arrange pour les cartes. J'ai l'impression de mélanger un deck Dragon Wing, quoi. Putain. Ah oui, j'avoue que là, il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Hey, Soé, ce move avec Gyrgolem et le dragon de Harpy, tu l'as noté combien sur 20? Ah bah là, c'est 30 sur 20, c'est trop bien. Il est incroyable, ce move. Il est incroyable. Eh bien, je te laisse distribuer. On met quoi, les 18 on fait à combien? Ah, t'aurais dû enlever les... Bah, distribue tout. Tout. On fait tout. De toute façon, les monstres, il n'en restait qu'un. Bon, bah écoute, on distribue tout et c'est parti. Allez, vas-y. T'es prêt? Allez. Hop là, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne soirée en notre compagnie. Bien sûr que la vidéo sera en rediffusion sur ma chaîne YouTube Super Zulu. J'ai aussi une chaîne YouTube de replay qui s'appelle Zulu Replay où je mets tous mes rediffusions de live, étant donné que les rediffusions Twitch sont pour les gens qui me soutiennent financièrement avec un sub. Mais les rediffusions arrivent toutes de manière gratuite sur YouTube quelques jours plus tard. Donc même si vous n'êtes pas sub, ce n'est pas grave, vous allez quand même pouvoir checker la rediffusion. Hop là, tu t'en sors, Quentin? Ouais. Putain, je suis trop content de ma game. Allez. Je suis trop content de ma game, je suis content de l'overlay parce que ça fonctionne, c'est réactif, il n'y a pas eu trop de problèmes. On réinitialise juste nos compteurs. Hop là. Bon, en plus, j'ai une touche qui existe pour réinitialiser les compteurs, mais... ok, vas-y, je te laisse regarder tes... Oh, putain. Tes cartes. De toute façon, on utilise tout, on est d'accord. Ouais, on utilise tout. La totale. J'ai juste enlevé tous les objets de mon côté. Les objets, on les utilise pas? Oh, si. Si. Ah, c'est juste que tu... Non, ouais, pour trier. Tu le tries, ouais. Ouais, c'est pas mal. Pour trier, hop là. Hop. On va acheter le dé pour savoir qui va commencer. Alors, est-ce que tu es confiant sur cette game? Bah écoute, vu les cartes que j'ai, franchement, je vais être honnête, oui. Oh, ok, voilà. C'est annoncé! C'est annoncé! Bon, mais le truc, c'est que les cartes que j'ai pas, je sais que tu les as. Et ouais, forcément. Donc je pense qu'il va se passer des choses. Forcément. Alors, je regarde un peu. Oh, il y a des dingues, hein. Les gars, il y a des dingueries. Il y a vraiment des dingueries. Allez, hop. Hop, je lance le dé. Je te laisse lancer un dé aussi pour toi. Quoi, je vais faire 4 dés. Merci Madden Chat pour le sub. Et merci à Clocharman. Ah non, si Clocharman pour ton sub niveau 1. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Et 1. Oh, tu as peut-être commencé là. Et 2. Bien joué. Je suis abonné aux 2. Eh bien, soir, vas-y, je te laisse. Allez, hop. Bah, écoute, on va commencer. Ah, ouais, t'as des trucs, toi. Hein.
Bah moi j'ai des choses, hein. Là franchement... Tu sais quoi, on va essayer de... On va essayer d'être... On va essayer d'être sans pitié. Hop, je te remets tes cœurs. Je te remets tes cœurs. Ok. Alors, que fais-tu, Quentin ? Ok. Bon, alors en soi... Bon, okay. On va prendre les dés de niveau... De niveau 1. Ok. C'est-à-dire que... J'ai cru qu'il allait dire, on prend les dés de niveau 4 oh, quoique, non, niveau 2, niveau 2. Oh. Niveau 2. Là, c'est les 4. On va éviter. Pas maintenant. Après, mais pas maintenant. L'overlay est vraiment sympa. Merci à toi, ours aveugle. Alors... 4 magies, 2 attaques. Ok. Pour l'instant, pas d'invocation. Le jeu n'est pas... Enfin, il est plus commercialisé depuis très longtemps. C'est sorti que au Japon et aux US. Oh! Le seum! Oh. Le seum est présent! Ok. Pourquoi lui il est là? C'est pas trier mes cartes. Ok. Mais tu sais quoi? On va la jouer, je vais faire une technique super sympa. Ouais. Ah, tu vas kiffer. Hop. Oh, il protège son. Oh, il je vais mettre un... la malédiction du dragon. Oh, qui a vol. Ok. Ok. Y a pas de problème, allez, mon pote. Viens le chercher. Tout simplement parce que je vais jeter des dés de niveau 4. Si tu le sors en premier coup. Bah attends. Oh, Yugi, il est tombé. J'ai lancé combien de dés de niveau 4 depuis le début? C'est pas énormément en soi. Hein. Zoé, là, ils vont peut-être arriver. Hein. Faut enlever la malédiction du dragon. Juste pour voir. Mon double 4. Ouais. Ouais, bah c'était mieux dans ma tête, hein. Un magie et deux attaques. C'était mieux dans ma tête, hein. Ouais, deux déplacements et deux défenses. Ok, c'est à toi. Ok, bon, tu sais quoi? On va rush. Oh. On y va. Allez, hop. Oh, il a plus le temps. Ah, c'est bon. Allez, une invocation, un déplacement. Allez, hop. On est parti. Allez. Je vais. Alors là, la première fois, voilà, le monstre le plus puissant du jeu, le rat préventif. Pouf. Ah, il a tunnel aussi. C'est un bête de niveau 1. Hop. Regardez-le. Il est beau. Sa petite tête. Hop, rat préventif. Et vas-y. Je vais relancer. Et. Rien du tout. Ah non, rien de déplacement. J'ai un déplacement. À toi. Tu peux retirer tes dés. Ouais. Je vais relancer une dernière fois les dés de niveau 4. Allez, l'exploit c'est maintenant là. On met une rousse au champion du monde de Montpellier. Deux déplacements. Un magie. À vous ta culotte, elle est humide là. Oui. Oh là là. Plus ou moins. Allez, c'est maintenant. Il fait chaud. Oh mais non. À toi. Allez, niveau 1. Triple invocation, allez. Ok, il décide d'accélérer. Allez hop, on va mettre... Bah tiens, on va mettre le dragon et les gardiens de la forteresse. On l'a pas vu encore. C'est chouette de jouer avec des petites figurines, quoi. Il y a un côté un peu régressif, quoi. Petit dragon, il est... Oh là 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 là. Ok. Voilà, je relance. Ah non. Si, je relance. Si tu relances. Un déplacement. Ok. À toi. Allez, dernière. Oh purée. Deux et un piège. Ouais. Allez. C'est vraiment le tout dernier lancé, 4. Je peux plus après. Oh ah, t'entends même pas les deux. Deux pièges. À toi. Niveau 1. Ah ouais, non, mais là. Ok, alors. 1 de déplacement et x2 en défense. Défense. Une invocation 1 et x2 défense. Une bon. Invocation 1, on est parti. Wow. J'avoue que j'ai peut-être un peu troll là. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le bébé dragon. Ok. Bon, on va prendre les dés. Voilà.
Il a combien le bébé dragon? Oh, il a 10, 10, 10. Mais il la vole. Ok. Je vais faire un niveau 2. Allez. Maintenant, il faut remonter, là. Oh. Oh non. Deux déplacements et deux attaques. Oh non, 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 mais attends. À niveau 3, si tu veux. Non, je vais faire le lutin. Ah. Pas de ouais. Ouais, je vais faire le lutin, mon pote. Le lutin, le lutin, le lutin. Hop là. Et... Ok. Ouais, il a pas envie de rester... C'est à toi. Ouais. Ok. Bah écoute, on va lancer... Zoul en sueur malgré la clim. Bah j'ai tenté le beau jeu, je me suis dit... Mais si ça passait, j'étais le king, quoi. On va lancer des petits niveaux 2. C'est juste qu'en ce moment, j'adore Slifer, je voulais trop l'invoquer, quoi. C'est vrai qu'il rigole, le Slifer. Ouais, est-ce que je peux comeback, là? Hop là. Ok. Bon, bah écoute, on va lancer des niveaux 2. Allez. Allez, rate un peu, là. Bon, celui-là, bon, bah. Il est cassé. Bon, au final, ça revient au même. Donc, on va mettre un petit niveau 3. Oh, purée. Est-ce que je l'ai, le niveau 3 que je veux? Aïe, aïe, aïe. Bon, tu sais quoi? Attends, bref. Oh ouais, si, ouais, si, ouais, si, je vais le mettre. Ah ouais, si, si, je vais le mettre. Et le truc qui se passe, c'est que... Non, là, je n'y suis pas. En fait, j'aurais dû me mettre comme ça, quoi. C'est ça. Mal joué. Bah, après, si tu veux, je te laisse le faire. Hein. Allez, ouais, parce que sinon, je suis mort là. Ouais, là, sinon, c'est dead. Ouais. Vas-y. C'est gentil. Ouais, t'inquiète. Bah, écoute. Ah, ouais. Du coup, je vais le mettre. Ah, ouais, c'est agressif ça quand même. Bon, après, non, en fait, je vais pas mettre lui. Mais en fait, je vais pas mettre lui parce que du coup, ça change un petit truc. Je vais mettre le centaure. On va jouer le centaure. Ah. Ah. Let's go. Petit centaure. On est parti. Là, c'était mon premier lancer ou mon deuxième? C'était ton premier, je crois. Mon premier, ouais. Je viens d'arriver, ça a l'air compliqué. Bah franchement, pas tant que ça. Oh, deux magies de déplacement. Ouais. Bah dommage ça. Ok. Donc là, bah, on va se déplacer de 1, 2, 3. Ouais. T'es tellement grand, il... Et je vais attaquer il rentre pas lutin. Dans la case. Tu attaques mon lutin. Ouais, j'ai enlevé un d'attaque. Eh bien, écoute, je vais défendre. Il a combien de défense et de PV? Il a 10 PV, 20 de défense. Bah, ah moi, bah ça sert à rien. J'ai 30 en fait. D'attaque. Donc, Ah. Ah oh, ouais, la sauce. Eh bien, bien joué. Attends, c'est pas fini, hein. Il se passe des choses ici. Il a combien, toi, en centaure? Mon centaure, il a 40 PV, 30 d'attaque et 20 de défense. 40 PV? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends des risques maintenant? En me disant, si ça paye pas, c'est fini. Et si ça paye, je peux come back? Je pense que là, je dois prendre des risques. Mais... Bah, en soi, ils ont les monstres là, ils ont. Bah, ton centaure, il est féroce quand même. Hein. Ouais. Allez, l'âme des dés là. Est-ce que j'ai le roi au bonheur là? Attends, sinon. Ah bah non. Allez, est-ce que j'ai le roi au bonheur, moi aussi? Alors, tu as. Une d'attaque et deux de. Non, t'as un d'attaque, un de piège et un de magie. Un de défense, un de magie, un de piège. Bon, je vais lancer des niveaux 1. Des niveaux 2, pardon. Ouais, bah maintenant c'est la sauce quoi. 4. En fait, j'ai un niveau 3 et il peut rien faire contre le centaure quoi. Donc soit c'est niveau 4. Ouais. Oh mais c'est...
Après, là, au niveau de la draft, j'avais... J'ai pris des risques et t'as rushé tellement vite. Ouais, ça c'est le risque. Mais c'est juste, je peux avoir des niveaux 2 qui gèrent tes niveaux 1. Mais là, ton niveau 3, il est costaud. Hein. Rappelle-moi, il a combien de défense ? Il a 22 défense et 40 PV. En fait, le seul niveau 3 que j'ai, il tape à 20. Mais t'as pas de quoi le péter avec de la magie ? Ah, avec de la magie. De toute façon, je dois les placer. Ah, c'est à toi de pas marcher dessus et si. C'est ce que je veux dire. Mmh. Ah, avec de la magie, genre le lézard. Ouais, voilà. Ah ouais, non. Que là, en fait, j'ai eu le. En fait, quand on a distribué, j'ai eu les big boss, quoi. Là, la draft. Enfin. Ouais, mais même bon, regarde, t'en as pas besoin, quoi. Ouais. Mais je veux dire, tu les as pas eu pour te défendre. Non quoi, mais vas-y, joue. Bah, let's go, hein. Attends, je suis où ? Je suis là. Ouf. Hop, j'enlève un des déplacements. On va aller dire bonjour à tonton Yugi. Yugi ! Yugi ! Hop, et un d'attaque pour t'enlever un cœur. Ok. Allez à moi. De toute façon, là, c'est 4 ou rien. Allez ! Deux pièges et un d'attaque. Allez, 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 allez. En plus, j'ai 10 de déplacement, là. Allez. Et non. De magie. De magie. Non, mais de toute façon, c'est loose, hein. C'est pas fini encore. Bah, vas-y, à toi. Bah, écoute, je vais lancer des niveaux de... Tiens, tu sais quoi, je vais lancer des niveaux 4. Oh. Alors, un de défense, un de piège, un de magie. Ouais, c'est la complexité de jeu, c'est que pour se procurer le jeu, c'est pas évident, quoi. C'est tout l'intérêt, en fait, d'inviter Quentin, quoi. Il a tout pour jouer, il connaît les règles, c'est clé en main pour moi, quoi. C'est cool. Ouais. C'est cool, c'est cool. Ouais, du coup. Bah écoute, je vais attaquer, hein. Ouais, allez, dernier lancer pour moi. Allez. Je peux encore choper Slifer et te tuer en un coup, non ? Tiens, les Nico 4 sont là. Je te tue en un coup avec Slifer. Ah, en soi, avec Slifer, là, t'as assez de déplacements pour venir, je pense. 4 déplacements. Bah, je suis au max. Et un défense. Ouais. Et pas d'exploit. Bien, Quentin, écoute... Bon, la game d'avant était... En fait, le problème, c'est que t'es vraiment parti en mode, allez, vas-y, je m'offre 2 lancers de niveau 4. Si j'ai Slifer directement, dès que tu vas créer... Tu pourras pas jouer tes monstres de niveau 1, parce que je vais les détruire tout de suite avec Slifer. Et en plus, ça fait un beau move pour le live, c'est cool, machin. Ouais, ouais, ouais. Là, tu m'as pris tellement de vitesse, j'ai grid, je pense, une fois de trop. Parce que là, t'es arrivé trop vite près de chez moi. C'est ça. Je pense que j'ai lancé une fois de trop parce que je pouvais prendre le risque de jouer, de lancer 2 fois et de perdre 2 fois mes tours, tu vois. Mm. Mais après, il fallait que j'enchaîne derrière. Et en fait, quand j'ai vu ton centaure, mon niveau 3, il peut pas le gérer. Ouais. Mes niveaux 2 peuvent pas le gérer. Donc j'étais obligé de tenter le niveau 4. Ouais, ouais, ouais. Et bah c'est game, quoi. Mais après, du coup, quand on a mélangé, genre j'ai eu le renoncer, que t'aurais pu me le prendre. J'ai eu ceux qui pètent avec de la magie, t'aurais pu me détruire tout. Ouais. Après, là, il me fallait des points de magie, j'avais pas assez pour le renoncer. Oui, c'est vrai, mais en soi, j'ai eu les outs qu'il te fallait, c'est moi qui les avais. Et en soi, là, franchement, pour le coup, c'était pas... pas équitable. Ouais, je pense que c'était pas... Non, mais de toute façon, c'était juste une dernière pour le fun. Voilà, c'était sympa. Mon avis sur le jeu, franchement, c'est giga cool. En vrai, je pense que ça demande un rework de certaines règles et surtout de l'équilibrage. Il y a des créatures qui sont overfumées, voilà. D'autres qui sont... Bah si, même celle-là, tu vas me dire, tu l'as invoquée... Elle était quand même utile, elle t'a permis d'avancer, quoi. Mais je trouve que c'est peut-être en étant débutant. C'est peut-être un problème des débutants, c'est que quand j'ai créé mes decks, j'ai créé pour contrer certaines stratégies et en faire d'autres. Mm. Et t'as complètement contré mon deck en faisant autre chose. Et du coup, j'étais condamné de sortir. Bah, un peu comme là. J'étais pris au dépourvu. Ouais. Et si j'ai pas des monstres 2 ou des monstres 3 qui peuvent contrer. Juste au moins taper, ça m'oblige de jeter des gros dés. Et les gros dés, c'est high risk, high reward. Bien sûr. Gros risque, grosse récompense.
Et je pense que quand on a un deck équilibré avec plus de cartes, on a plus de facilité à répondre et ça donne une game intéressante où bah, tu peux jouer des 2, des 3 et faire des trucs. Ouais. Quoi. Donc mon avis, super jeu. Par contre, ça demande un rework, un gros travail d'équilibrage et tout. Et dans ce cas-là, c'est intéressant. Quoi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, les monstres qui sont pétés, en soi, il faudrait que j'ai des... Comment dire ? Il faudrait que je travaille sur des decklists, entre guillemets. Ouais. Où justement, en fait, on répartit les monstres. Enfin, voilà, quoi. On les connaît. Ces trois-là, plus le chevalier aux deux épées, plus le ninja. C'est vraiment les monstres vraiment les plus forts du jeu. Parce qu'ils ont vraiment un impact colossal sur la game. Le laser explosif, il peut exploser Slifer, alors que c'est un niveau 2. Pareil pour les deux autres. Donc... ouais, il faudrait vraiment, par exemple, le dragon magicien, il est juste trop fort. Ce monstre est vraiment trop fort. Ouais. Après, toutes les cartes qui sont là, ce sont toutes les cartes originales du jeu que j'ai retraduites. Mais c'est vrai que, franchement, j'aimerais nerf, par exemple. Ben, ça mériterait d'être... Soit il faudrait que ce soit un nerf, soit il en faudrait d'autres comme eux pour que c'est encore plus de chamboulement. Après, il y en a d'autres qui sont intéressants que j'ai pas pu intégrer. Par exemple, il y a le juge. Juge, sa capacité, c'est de relancer une troisième fois les dés. Oh, c'est lourd. C'est super. Il y a plein de monstres comme ça que je n'ai peut-être pas encore, parce que là, j'ai réussi à réunir un petit lot quand même sympa de gros monstres, mais il y en a d'autres encore que je n'ai pas ici, mais je pense pas qu'il y en ait d'autres comme eux, en tout cas. En fait, vous voyez pas, mais... Attendez, ce que je vais vous faire vomir. Hop, là, je vais enlever ma caméra. Et... ouais, regardez toutes les figurines que Quentin a. Du coup, c'est hyper lourd. Et ouais, le obélisque, il est énervé, quoi. Il est super énervé, le obélisque. T'as quoi ? T'as obélisque ? T'as l'ultime dragon blanc aux yeux bleus ? Ouais, l'ultime... T'as sacré coquille, là. Regardez sa queue, hein, what the fuck ? Sa queue, elle est devant ? Ouais, il se passe... what the fuck ? Ouais, c'est chelou. What the fuck, Konami ? What the fuck, Konami ? What is it ? Voilà, j'ai un petit dragon noir. Un dragon noir aux yeux rouges. Le magicien sur ses toilettes. Aussi, le fameux. Le fameux, ouais. Le fameux. Moi, j'avais une figurine gardien de la porte. Voilà. Ah, qu'on a vu, je crois, en plus. Non, il est pas arrivé. Tu l'as drafté, quoi. Ouais, je l'ai drafté parce que je voulais l'utiliser, mais en soi, j'ai pas pu. Ouais, le petit chevalier Gaïa. Bon, bah écoutez, lourd, franchement, ça a été un régal. N'hésitez pas à aller checker la chaîne de Quentin qui est au Jama Noir, yes, sur YouTube et sur Twitch. Dites-moi si jamais vous pensez que ça en vaut la peine que je me crafte un jeu et que je réinvite Quentin peut-être pour une autre fois. On va peut-être pas le faire venir toutes les semaines. Hein. Ouais, Montpellier. Puis ça va être cher aussi. Ça va être cher le délire. Mais franchement, c'était un plaisir de te recevoir. J'espère que tu auras passé un bon moment. J'espère que tu as kiffé. Est-ce que tu as quelque chose Franchement, j'ai vraiment bien kiffé. Les games, elles étaient intéressantes. Et même quand, par exemple, la dernière game, en soi, ça a pu montrer aussi un aspect du jeu. De montrer que, en fait, prendre des risques avec des. Tu vois ce que je veux te dire, c'est que parfois spammer des niveaux 1, même s'ils sont nuls, ça dépend comment on joue l'adversaire, mais on peut faire des choses même avec parfois des cartes un peu nasses, parce que là les cartes que je jouais en soi, ils ont pas d'effet, c'est des trucs pas ouf, mais voilà quoi, il y a des stratégies aussi derrière, enfin même ces games là je les ai trouvées intéressantes, voilà pour te dire. Donc franchement c'était un grave plaisir de venir sur Dunkerque, franchement ça vaut les 7 heures de train. Vous avez entendu ? Ça vaut les 7 heures de train. C'était un plaisir de venir sur Dunkerque, ça vaut les 7 heures de train. Voilà. Ça, c'est noté. Surtout qu'il fait meilleur que dans le sud. Hein. Il fait meilleur que dans le sud. Ah ouais, il fait trop chaud dans le sud. Dans le sud, il fait en ce moment. En ce moment, et pour 47 tout l'été, à peu près, 47, tu m'as dit. Oui, voilà, c'est ça, 47. Ouais. C'est à peu près ça. À peu près. Alors, il y a Kroger qui nous dit il y a moyen d'intégrer des monstres plus récents. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monstres que tu as craft toi-même ici. J'ai l'impression, non ? Des monstres... Quand il dit des monstres plus récents, je pense, est-ce qu'il veut parler de, par exemple, GX5D, ce genre de truc ? Non, mais c'est-à-dire que une fois que t'as le pattern de création de cartes, tu peux créer ce que tu veux. Tu peux faire un deck Sky Striker si t'as envie. Si j'ai envie, je fais... Ah ouais, mais alors par contre... Ah ouais, tiens, petit... Je sais pas si tu peux en profiter pour avoir une petite annonce. C'est que j'ai une imprimante 3D.
Ouais. Et le truc qui me fait défaut, c'est pas le fait d'imprimer en 3D, c'est surtout le fait d'avoir des modèles 3D de personnages, enfin de monstres de Yu-Gi-Oh! Et c'est-à-dire que des fois j'arrive à choper des modèles, comme j'ai pu choper Obélisk, ouais. Qui sont vachement cool, mais autant parfois ça se passe un peu... Enfin, bon, pour en venir au fait, j'ai besoin de gens qui craftent des modèles 3D, surtout des figurines. Si vous savez faire ça, même des modèles plutôt simples, on demande, enfin, ils demandent peut-être pas énormément de détails, oui. Mais voilà. Qu'au moins tu puisses jouer. Quoi. Voilà, c'est que le but que j'ai, moi, avec tout ça... ce serait du coup de créer en fait de créer un set de jeux que je pourrais vendre, pas si on peut dire ça, mais en gros mon objectif c'est vraiment de créer un set de jeux où il pourrait y avoir un personnage Yugi, un personnage Kaiba, et ensuite après faire partager ça avec la communauté. Voilà, ce serait vraiment le gros objectif, de créer un set de jeux avec tout compris dedans. Vous avez les pièces de donjon, les figurines, le tapis, tout, la totale. Ouais. Et ce serait vraiment le gros objectif de ma chaîne, et j'ai besoin de modèles 3D, de gens qui savent faire des designs pour que je puisse tout simplement les intégrer. Ouais. Alors attention, vu que c'est quelque chose qui est sous licence Konami, je sais pas, voilà, si toi tu auras le droit de, c'est ça, c'est-à-dire de vendre. Voilà. Mais en tout cas, au moins les créer et les partager à tes bien amis sûr ou à ta communauté, c'est ça, s'ils veulent jouer. C'est ça le but. C'est tellement plus plaisant. Regardez, là il y a un board. On aurait vraiment dû essayer de mettre la cam comme ça. En fait, le problème c'est que ça... Enfin, je sais pas comment j'aurais pu faire. Bref, peut-être la prochaine fois. C'est tellement plus plaisant d'avoir des figurines, de reconnaître directement les monstres liés aux cartes et tout. C'est super stylé, quoi. T'imagines Obélisk, machin et tout, le dragon de Damarpi. Enfin voilà, y a des trucs vachement cool à faire. Exodia, bah, clac, lui il est cool là. Lui là, il soulève des mers là. Bref, écoutez, j'espère vraiment que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire ou sur Twitter en me arrobasant à SuperZoulou. Je vais vraiment essayer d'en refaire parce que franchement ça m'a plu. Et pourquoi pas essayer de faire des sessions de craft de cartes ou de réfléchir aux règles, machin. N'hésitez pas à me proposer aussi d'autres variantes de Yu-Gi-Oh! Que je pourrais explorer. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un prochain club Yu-Gi-Oh! Cette fois-ci, pas un hors-série, un vrai club Yu-Gi-Oh! Bref, passez une bonne soirée tout le monde, et puis à très bientôt. Allez, bonne soirée, et merci encore pour tout ça. Au revoir. Et merci à Soé pour la régie. Des cœurs pour Soé. Allez voir sa chaîne, Soé TCG. Ciao.